C'est bon, je rec, vous avez rien raté. Bonjour la rediff, on dit bonjour la rediff même si vous voit pas. Coucou l'enregistrement. Donc oui, je disais, j'étais un peu motivée à live demain parce que je suis fatiguée, mais j'ai vu que Didi était impatient de voir le live et ça m'a fait chaud à mon petit cœur. Donc j'ai dit allez, c'est bon, je live ce soir. Même si je suis un peu molle. Rougal, t'es pas invisible. T'es pas invisible. Si t'es invisible à la caméra, mais pour moi, t'es pas invisible. Bah oui, tu bailles. Regardez le bébé. Bon, il est content. Relou. Donc. Les nouveaux objets vite fait du Rikikit machin bibliothèque là. On se souvient même plus leur nom tellement on s'en fout. Qu'est-ce que c'est que ça? Doit être sur un mur. Tu fais chier, José. Ben, on va mettre un mur. J'aurais dû mettre le nouveau objecton, je suis bête. Et s'ils pouvaient trier les Rikikits, ce serait bien. Mais visiblement, c'est trop compliqué. Et si on pouvait tirer là, pour avoir plus de trucs. Mais visiblement, ça aussi, c'est trop compliqué. Ah, mais vous voyez pas ma souris. Ah, si, vous la voyez cette fois. Je sais pas pourquoi la dernière fois, vous la voyez pas. Bon, ils sont où les livres à coller au mur là? Ça m'énerve, ça m'énerve, ça m'énerve. Désolée, je parle pas beaucoup parce que... Ah, ils sont là. Voilà. Super. Ouh. Alors, ça. Étagère. Est-ce qu'on peut les... Ah, cool. On peut les moduler comme les... Ah, c'est bien, ça. Comme les meubles de je sais plus quel pack. Déco, je crois. Le truc déco. Vous vous souvenez? On peut moduler les packs. Les meubles. Vous voyez ce que je veux dire? Hop, je ferai des zooms après, hein. Stressez pas. Ça va bien se passer. Un tapis. Mais il est vilain. C'est vilain. Ok. Pourquoi il y a un lampadaire dans le salon? Ah, et là on peut pas, c'est vraiment de la merde. Pourquoi? Ah si, c'est bon, je peux le mettre au-dessus. Voilà, ma belle bibliothèque, mal faite. Yes, yes. Ben voilà, tous les objets sont là. Wouh, 5 euros pour ça. Incroyable. Alors. Tu veux que je te montre les meubles déco? C'est dans le... Ce truc-là, la décoration d'intérieur, c'était bah, tous les meubles carrés, là. Tout ça, là. On pouvait les... On peut les... Les emboîter comme on veut. Bon, à peu près. Hein. Faut pas trop en demander non plus. Bref. Est-ce qu'on peut avec les étagères? Ah oh, oui! Bon, là, c'est très moche. Mais on peut... On peut. Si ça veut bien! Bon, c'est pas très pratique, mais on peut faire un truc custom. Donc, alors, on va regarder un peu les étagères. Eh bien, figurez-vous que c'est des étagères avec des livres dedans. C'est bien, hein? Alors, ah, il y a... Ah, c'est bien, ça. Ils ont fait deux fois le même... trois fois le même bois, mais avec des livres de couleurs différentes. Ça, c'est sympa, ça. C'est un petit détail, mais c'est un petit détail bien. Bon, par contre, les autres, on peut aller se faire foutre. Hein. Ah, si, là, il y en a. Ouais, bon, vite fait. Ouais, si, apparemment, ils ont l'air d'avoir mis au moins deux nuances à chaque fois. Enfin, peut-être. Alors, ça, c'est bien. Livre blanc avec étagère blanche. Franchement, ta vie est nulle, mec. Ta vie est fade. Ta vie est sans saveur. Quitte ta vie. Quelle horreur. Quitte-la!
petit livre. Oui. Bon, moi, personnellement, je ne mettrais pas 3 livres aussi gros sur une si petite tablette. Hein. Mais... Oui, exact, mamie. Ça disparaît quand tu abaisses les murs, c'est super. Ah, quand tu les mets en coupe, non, mais c'est peut-être parce que j'ai pas fait un carré aussi. J'y connais rien, ouais, je sais que j'y connais rien, mais bon. Blanc sur blanc, ça me rappelle un certain gang pas très fréquentable, si vous voyez ce que je veux dire. Voilà, on va mettre des roses. Et les petits canapes, et franchement, il a l'air pas mal ce fauteuil. Hein. Il a l'air un peu confo, hein. Bien se vautrer dedans, là. Lui aussi, il a l'air pas trop mal. J'aimerais l'avis d'une experte. Donc, mamie, qu'est-ce que t'en penses? C'est qui? C'est qui quoi? Le gang un peu trop blanc? Je ne le dirai pas en live. Mais j'invite les gens. J'invite les gens à te le dire en privé. Parce que moi, j'ai pas envie de le dire, là. J'ai vraiment pas un truc que j'ai envie de prononcer. C'est pas des gens très fréquentables. Je vois pas de quoi tu parles. C'est pas grave. Par contre, lui, le coussin a l'air bien, mais alors là, tu te niques le dos hein, sur le petit... sur le petit truc en bois de merde. Là. Par contre, il est beau. J'aime bien. En vrai, les meubles sont plutôt jolis. Experte, genre, il n'y a que mamie. Mamie est l'experte dans la confortabilité des meubles. Après, vous êtes peut-être expert en autre chose. Mais mamie, à l'œil, elle te dit si le canapé est confortable ou pas. C'est un truc de... Comment on peut dire ça? De... Voilà. Oui, bah pour le maintien du dos, ce canapé-là, Oscar, on te met jamais dedans. Hein. Tu meurs juste. Mais, juste pour se coucher, c'est pas mal. Mais moi aussi, j'essaie de dire ça. Bon, c'est fini de faire l'attention noire. Je peux avoir un peu d'attention pour quelqu'un d'autre que toi, Braise. Quelle emmerdeuse. Bon, ça, c'est une table. Ça, c'est sympa. Un petit porte... Ouais, ouais, bon. Ouais, c'est des bouquins, quoi. Ah, mais le mec, il a fait une maison en livres. Alors ça, les gars, si vous voulez niquer vos livres, surtout faites ça. C'est top. Ah, ça, c'est mignon. Ça, pour mettre dans les chiottes, hein. Comme ça, pendant que l'autre, il fait sa commission, bah, il prend un bouquin. Ouais, bon, ce truc-là, je suis vraiment pas fan. Ça, c'est une lumière aussi. Je crois, hein. C'est particulier. La petite fleur, elle est mignonne. Mais attends, mais elle est chelou. Mais c'est bizarre. C'est très plat. Ok. Et le tapis. Non, bah, il est laid, hein. La lampe livre. C'est pas une lampe livre, Oscar. C'est une lampe derrière un truc de livre. La lampe, elle est là. Avant que tu parles de ça avec la petite bougie. Non, ça vaut pas 5 balles. Mais un peu comme tous les... Comme tous les rikikits, hein. Aucun ne vaut 5 balles. Voilà, il y avait que ça, hein. C'était bien, hein. Mais ça fait pas 25 objets. 1, 2, 3, 4, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. Ah bah si. Eh ben, sacré daube. Ouais, mais les tapis de salle de bain, on en a déjà 18 000. On n'a pas besoin d'autres. Ça, ça fait effet... effet salle de bain, les espèces de crevasses, là.
Bref, bon, on va désactiver l'autonomie déjà, sinon ils vont nous faire chier. Ils ont mangé le gâteau. Bah super! Il est quelle heure? Il est 19h, donc je propose qu'on s'occupe de la famille et que le lendemain, on fasse une fête. Peut-être le lendemain soir. Je sais pas s'ils vont venir à 19h. À partir de quelle heure ils viennent plus, les Sims? Parce qu'il va peut-être falloir attendre le week-end, en fait, je suis en train de me dire. Je suis pas sûre qu'ils viennent, hein. J'ai un doute. Ok, Missou, bah bonne nuit si t'arrives à t'endormir. Et puis bah nous, bah on reste là, hein. 21h? Ça me paraît un peu tard. Je sais pas. Je peux essayer de faire la fête tout de suite, mais... je suis sceptique. Bon, déjà, toi, va cuisiner un gâteau. Le menu qui met 30 ans à ouvrir. Le menu qui met 30 ans à ouvrir. Un gâteau à la fraise pour ta petite fille qui va manger que les fraises. Voilà. Est-ce qu'elle a tout à fond? Je sais même plus si je lui avais fait. Oh! Mais non, il lui manque de la réflexion. Bah, on va réflexionner. Vite! Go le réflexionnage! Et pourquoi ils veulent la mettre là-dedans? Poser l'ulabi ici. Pourquoi faire? Pourquoi faire? Je vous demande de jouer avec les cubes. Bon, vas-y, étudie toute seule, hein, puisque c'est ça. Super. Nul. Remboursé. Bon, bah, va t'occuper des plantes, hein. Ça commence déjà. Je vous jure. Blablabla, blablabla, bla, entretenir le jardin. Allez, on fait évoluer, on fait évoluer. Même si on s'en fout. Bon, moi, ça met plus une action. Enfin, ça le fait direct. C'est bien qu'ils aient fait ça. Je sais pas si vous vous souvenez, au début, fallait qu'il fasse un truc pour faire évoluer les plantes. Ça prenait 1000 ans, surtout quand il y en avait 40. C'est bon, le gâteau, il est fait. Alors, on va... Je sais pas si on peut l'agrémenter. Non, on peut pas. Voilà. Mange, t'as faim. Ah, c'était relou, hein. C'est quoi votre musique préférée? Genre, la musique vraiment que vous pourriez écouter en boucle toute la vie. S'il restait qu'une musique sur Terre, jamais vous vous direz j'en ai marre de l'écouter. Ça peut être un truc éclaté au sol comme une vraie musique, hein. Bref, je sais ce que tu vas dire. Mais vraiment, c'est sérieux. Votre musique d'amour du monde. Ça changera jamais. Même dans 48 ans, précisément, vous kifferez toujours autant entendre cette musique. Dites-moi. Et si je connais pas, j'irai écouter. Dire ton manque. Ouais, non, vraiment, ça m'intrigue. Ça m'intrigue. Tiens, tu pues, monsieur. Il faut aller se laver. Pourquoi elle n'est pas contente celle-là encore? Trop de cubes, bah, ce n'est pas mon problème. Il faut augmenter ta réflexion, ma petite. Allez hop! Je vais essayer de trouver vraiment The Music. Bah après, si elle ne vient pas en tête là tout de suite, c'est peut-être que tu l'as pas encore entendue, hein.
Moi, je sais laquelle c'est. Tu me dis ta musique de tous les temps, j'en ai qu'une. Même si j'en aime beaucoup. J'en aime beaucoup, ça, il n'y a pas de problème. Il y en a beaucoup que je peux écouter tout le temps. Peu importe l'époque. Il y en a vraiment une. Pourquoi il a dit que c'est crade? Bah, nettoie, fais la vaisselle, c'est ta place. J'arrive pas à me décider. Histoire éternelle de la Belle et la Bête pour mamie. C'est vrai qu'elle est très belle, cette musique. Ah, ça y est, j'ai encore le bug où elle prend les trucs, mais elle nettoie pas, en fait. Genre, elle nettoie un peu, mais pas trop, au cas où. On sait pas. Allez, le pipi. Ah, ils sont dans la même pièce, ils sont contents, eux. Ouh, mon homme est dans la baignoire. Et si j'allais le rejoindre? Bah après, si vous en avez plusieurs, je vous en autorise deux. Coucou Didi, comment ça va? Didi, j'étais en train de dire aux gens que si je liveais ce soir, c'était grâce à toi. Voilà. Parce que j'ai fait plein de trucs aujourd'hui et je suis fatiguée. Moi, j'ai vu des amis, mes amis d'enfance. On a été au resto et tout, c'était très bien. Mais j'ai pas mal marché. Et j'étais crevée. J'ai fait une sieste de 30 minutes qui a duré 2 heures. Et je me suis dit, je vais peut-être décaler le live à demain. Et puis là, j'ai vu que tu avais écrit « Trop hâte de vous voir ce soir au live !» Et ça a fait vibrer mon petit cœur. Et je dis, je peux pas décevoir Didi. En plus, ça se trouve, demain, il sera pas là. Parce que je crois que c'est la fête des pères. Donc, voilà. Merci Didi. J'ai trouvé l'énergie. Bah franchement, ça fait plaisir de lire ça. Donc, n'hésitez pas. Hein. Bah après, si c'est pas vrai, le dites pas. Mais voilà, ça m'a fait plaisir. Si c'est demain, le week-end prochain, je sais pas. Je sais pas parce que comme ils ont tout décalé, fête des pères. 2023. Ah c'est ça, vous avez raison, c'est la semaine prochaine. Le 18. 18 juin, il y a un truc. Ah si, c'était l'anniversaire de quelqu'un, mais je lui parle plus, donc tant pis. Je le saurai, pas serai. Serai, c'est le verbe être. Tuer la fête des pères, bref, je ne savais pas. Le bibou. Bibou. Ton cul. Merci. Mon pauvre bête. Souris. Je me demande s'il n'y a pas un E ou un S, mais je sais plus. Donc, voilà. On va rien dire. Bon, bref. Les toilettes. Est-ce qu'il reste des trucs à manger dans le frigo? Parce que je sais plus, moi. Ça fait un moment que j'ai pas fait. Et d'ailleurs, pour les mercredis, j'ai trouvé ce que je veux faire. Parce que je savais pas trop. Donc soit Heavy Rain, mais j'avoue que quand je l'ai proposé, j'étais dans le mood. Mais après, au moment de le faire, j'étais plus dans le mood. Parce que je sais que c'est un truc assez dark. Et bah si je pète déjà pas la joie, j'ai pas envie de faire un truc dark. Mais je pense que vous comprenez. Donc soit Heavy Rain, soit je recommence une partie de Dreamlight Valley. Disney Dreamlight Valley, pardon. Je sais pas si vous connaissez. Ça a été un peu populaire à un moment et puis c'est un peu redescendu. Je sais pas trop si vous en avez entendu parler. Mais c'est un espèce d'Animal Crossing, mais dans l'univers de Disney. Donc, comment vous dire que c'est cool? Puis t'as tous les personnages. Enfin, le jeu est pas encore sorti. Il est en Early Access. Enfin, il est sorti, mais il est pas fini. Et je crois qu'en septembre, il va y avoir La Belle et la Bête. Voilà. Donc, pourquoi pas recommencer une partie. Parce que moi, j'ai fait ma partie. Mais comment vous dire, j'ai fait Farm Girl, comme d'habitude. Donc, ça ressemble à rien, mon truc. Et pour essayer de faire un beau truc. Vous voyez? Alors. Million Reason de Lady Gaga, c'est une de tes deux chansons préférées, Braise? Ou dans ton top 5 en tout cas. Miss You de Blink 182, je ne connais pas. Et Life is Go. Goes. Pff, je sais pas le prononcer, de BTS. Oui, alors ça, ça me passe au-dessus. Mais c'est peut-être bien. En fait,
les chansons de K-pop. Le prends pas mal, hein. Ne prenez pas mal ce que je vais dire, mais pour moi, les chansons de K-pop, c'est comme le métal, c'est-à-dire que tu m'en mets une. Si ça se trouve, 30 minutes plus tard, c'est une autre, mais pour moi, c'est toujours la même. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. C'est tellement proche, les sonorités et tout, que j'ai du mal à distinguer quand ça change. Après, je sais qu'il y a 8 milliards de genres de métal, hein, me saoulez pas avec ça. J'ai eu un ex qui était fan de métal, il m'a tout expliqué. Ça m'intéressait sur le moment parce que j'étais amoureuse. Aujourd'hui, ça me fait chier, voilà. Mais quand c'est le même style de métal, ça s'enchaîne. En plus, souvent, les musiques, elles font 6 minutes. Et du coup, l'album, il dure 30 ans. Tu m'en mets 3 des chansons de métal, c'est toujours la même. Non, non, ça a changé. Ah, ok. Ah, c'est une balade. Bah alors, peut-être, ouais. Tout pour Belle. Non, mais Belle, elle est trop bien. C'est ma princesse préférée. Sachant que je considère pas Mulan comme une princesse. Sinon, ce serait Mulan, évidemment. Bon, au moins, dans le live action, ils ont pas changé son ethnie. Bon, j'arrête de rager. Ah, pardon. J'ai l'instant glaire. Berk. Excusez-moi. Mais après, je veux bien que tu me les envoies en privé, Missou, que je les écoute. Si ça t'ennuie pas. Mais je crois qu'on m'en avait envoyé une balade de K-pop, mais je sais plus de qui. Et j'avais beaucoup aimé. Bah moi, après, tout ce qui est balade, ça me parle. Pocahontas et Mulan. Vous savez que j'ai vu Pocahontas un peu, je vais dire, pour la première fois, genre il y a 3 jours. 2, 3 jours. Enfin, c'était pas la première fois, mais c'était peut-être la seconde, quoi. Je l'ai vu une fois quand j'étais toute petite. J'ai vu le 2 aussi, une fois quand j'étais toute petite, et je les ai jamais revus. Tout ce que je connais de Pocahontas, c'est que c'est une indienne, il y a des colons, ils sont méchants, et puis elle a une histoire d'amour avec John Smith et l'air du vent. Voilà. Donc j'ai regardé les deux il y a quelques jours là. Et ben c'est bien. Pourquoi ils refont pas des dessins animés comme ça? Qui ont des bons messages sans te casser le crâne. Franchement. Franchement, je comprends pas. Je comprends pas pourquoi ils ont changé leur technique de communication. Ça marchait très bien en fait de d'expliquer aux enfants que le racisme c'est de la merde sans le dire directement. J'étais pas con, on comprenait, hein. On comprenait que monsieur, comment il s'appelle là? Le gros. On comprenait que le gros, il était méchant. Tu vois? Ma chanson préf, c'est Apologize de One Republic. Avec mon super accent. Du coup, j'ai pas regardé ce qu'il y avait dans le frigo. Depuis 30 minutes, ils attendent pour manger. Il se passe rien. Ils attendent comme ils sont bien gentils là d'attendre. Alors, ça, il en reste 5. Allez, venez manger, les petits enfants. Et toi, Didi? Je sais pas si tu nous as dit, c'est quoi ta chanson préférée du monde entier? Tu peux l'écouter tout le temps et tu peux, limite, dans 50 ans, bah, tu auras toujours envie de l'écouter. Elle te saoulera jamais. D'ailleurs, si jamais je refais des clips de chansons Sims, sachez que la première que je vais faire, c'est Apologize. Normal. Et je prendrai la version française, puisque une chanteuse qui fait plein de covers. De cover, je sais pas, d'Harry Cover français l'a refait en français et elle est trop belle. Mange, Lulabi, tu nous saoules! Et je suis délicate! L'autre, il a déjà tout bouffé, quoi. Allez, mange, mange tout, mange tout. Vous voyez, il y a un bug, ils me font chier. Dans cette partie, c'est buggé. Parce que dans mon sang bébé, il n'y a pas de problème. Elle fait la vaisselle, hein, elle s'arrête pas toutes les 10 secondes. Ou alors, il faut que je remanie la cuisine. Je sais pas, je vais essayer. Je vais essayer de faire ça. C'est peut-être ça, je sais pas. Bon, faites crac, crac. Allez, hop. Merci, Missou. Oula, c'est compliqué. Ouais, je sais. Comme je sais que c'est compliqué, t'as le droit d'en avoir 2. Merci, mes sous, j'écouterai après.
Après, il y en a plein que j'aime bien. Il y en a plein que j'aime bien, mais je pense que c'est le cas de tout le monde, ça. Bon, et elle en est où? Elle en est où de la réflexion? Ah bah ça va, elle a bientôt fini. Alors. Apparemment, il y a Kik qui veut aussi donner de l'argent aux petits streamers. Mais pour ça, il faut que tu fasses minimum 30 heures de stream et que tu parles à ton auditoire et qu'ils te répondent, sinon ça ne sert à rien. Mais du coup, ça voudrait dire que je pourrais éventuellement gagner mon argent et ma vie avec du stream. Par contre, en vrai, ça voudrait dire 4 heures de stream tous les jours. Enfin, minimum 4 heures par jour pendant 7 jours ou plus d'heures en moins de... Mais je sais pas si j'arriverai à tenir, donc c'est compliqué. C'est très compliqué. Cette chambre rose, n'est-ce pas? Je me suis dit que quand elle était petite, ça serait sa chambre rose, bien rose. Pourquoi le temps ne passe plus vite? Ah, si, c'est bon. Et d'ailleurs, sa chambre d'enfant est prête. Voilà, elle est plus violette que rose, mais... Elle est lavande! Voilà. Une à deux heures par jour. Oui, mais si tu fais une à deux heures par jour pendant 7 jours, ça fait pas 30 heures. Ça fait pas un total de 30 heures. Ils veulent que ce soit au moins 30 heures par semaine, donc il faut faire 4 heures. C'est ce qu'on a compté avec Ruru, parce que techniquement, c'est intéressant, tu vois, comme bail. Qu'est-ce qu'elle a? Non, laisse ton père. Va faire des formes. Il faut que tu aies 5 en réflexion. Mais franchement, je tiendrai pas. Hein. Je tiendrai pas 4 heures tous les jours. J'aurais plus quoi faire, moi, à force. Après, c'est vraiment un métier, hein, streamer. C'est un truc, faut la moelle, hein. Parce qu'on rigole, genre, ah ouais, c'est bien, il se met devant son PC et puis il attend. Alors, je dis pas que c'est un métier, que c'est le métier le plus dur du monde. Hein. Je pense bien que Jean-Claude, qui va se casser le dos à construire une maison, ou Didi, qui s'éreinte les genoux pour mettre des trucs dans les rayons, c'est pire. Mais. Niveau charge mentale et fatigue, streamer, c'est quand même quelque chose, hein. Déjà, faut prévoir ce que tu vas faire, faut réussir à animer le live, et puis surtout, en live, tu peux pas te permettre d'être au bout de ta vie, d'être crevé, d'être mort. Mais ouais, hein, faut en avoir quand même. Enfin, je trouve. Et c'est pour ça me fait bien rire les gens qui disent ouais bah c'est bon il fait rien, il se met devant son PC et il joue. Va va faire un live mon petit chéri. Comment ça s'appelle? Animé, voilà, va animer un live. Tu vas voir comment t'es crevé après. Mais bon, peut-être qu'un jour ils se diront que c'est du taf, hein, les gens en général. Vont peut-être se dire que c'est du vrai taf. Après, ça t'épuise peut-être pas autant que des trucs physiques ou être ouvrier. Mais je pense que ça épuise pas la même chose. Genre, ouvrier, ça t'épuise physiquement. Genre, tes articulations et tout. Alors que les lives, ça t'épuise plutôt mentalement. Je sais pas ce qu'est le pire, mais en tout cas, les deux craignent. Voilà. Donc, on en discutait avec Ruru, mais je sais pas. Je pense pas que j'arriverai à faire 30 heures par semaine. Et puis en plus, c'est bien gentil, mais vous avez un peu autre chose à foutre, hein, que de regarder tous les soirs 4 heures de live. Et d'être actif. Parce que regarder, c'est une chose. Être actif, c'en est une autre.
Après, je peux toujours en faire en journée, mais ça voudrait dire des super longs lives. Oh non, trop long, trop. Pour le moment, je m'en sens pas capable. Déjà, j'ai du mal à tenir deux lives par semaine. Et peut-être que j'y arriverai, c'est peut-être de l'entraînement, hein. Je sais pas. J'espère quand même que les streamers arrivent à faire autre chose de leur vie, hein, parce que c'est bien, mais bon. Ouais, finalement, j'ai mis une douche, ouais. Est-ce qu'on fait la fête maintenant? Ah oui, c'est ça que je voulais regarder. Mince. Pour qui vous avez voté? D'ailleurs, Oscar, tu te rappelles comment on fait un sondage ou pas? Sur Kick. Mon petit bichon. Bichon! Parce que je crois qu'il avait trouvé, mais lancer un raid, machin. Ou c'était Brest qui avait trouvé les prédits, mais il n'y a pas de prédits sur. Ou alors c'était sur Twitch. Non, c'est Brest. Brezou, ma petite bichette! Tu te souviens comment t'avais trouvé enfin, où est-ce que t'avais trouvé les sondages? Sur Kick? Est-ce qu'ils sont dispo, moi? Ça, c'est quoi? Edit mode. Hein? Ben, ça fait rien. C'est ça. Même les sondages, j'ai plus le monopole. Mais c'est... Je te pose une question, réponds-y au lieu de faire Calimero, là! C'est pas croyable, ça! Oh, quel sale gosse! Insupportable, cet enfant! Oui, gna gna, je veux de l'attention. Je suis la petite Modo Attention-Whore. Dehors! Ah, j'ai trouvé, tu vois. Braise, si au lieu de chouiner, t'avais cherché, eh ben, t'aurais encore le monopole. Voilà! Du coup, c'est où, Oscar? Parce que je trouve pas, moi. Après, je peux peut-être pas les faire, moi. Dit le sondage. Alors le sondage, parce que vous m'avez fait un très bel ex aequo, ça sera Amaury, Orson ou Brandon? Ah oui, c'est ça. Slash Paul. Oui, je me doute bien. T'as raté, Braise. Ça marche pour moi. Ah, je peux pas. C'est rouge. Pourquoi c'est rougé? Tu arrives, toi, Oscar? Donc, Amaury, Orson ou Brandon, c'est son nom, hein. Je peux rien. Ah, quel chiard! Voilà. Vous pouvez voter en haut, s'il vous plaît, les gars. Bandon, t'as écrit. Mais Oscar, c'est pas possible. Mais c'est pas croyable d'avoir des modos qui savent pas faire un sondage. Bandon. Donc, votez, s'il vous plaît. Vous êtes quatre. Avec un peu de chance, on arrivera à ne pas avoir d'ex-aequo. Merde. T'as pas fait exprès? Je pensais que t'avais fait exprès. Ah non, vous êtes 5. Vous êtes 11 en fait. Ah oui, d'accord. Bah, les gens, votez s'il vous plaît. C'est important, c'est pour savoir, pour faire un gang à Lulabi. J'ai pas fait exprès. Bah, je sais pas. C'est peut-être parce qu'Oscar était en train de le faire. Peut-être Brézou. Moi, c'était rouge aussi. Et puis c'est peut-être pour éviter que des modos en fassent en même temps. Du coup, c'est plutôt bien. C'est plutôt bien. Allez, votez les enfants, il n'y a que 3 votes là. Et vous êtes 11. Je sais pas qui vous êtes, mais je sais que vous êtes 11. 10. Bon, bah vous êtes 10. Merci d'ailleurs à tous ceux qui sont là. Bon, ça c'est bon. Lulabi va sur le pot.
On va organiser une petite fête. Alors, blablabla. Un événement. Organiser un événement social. Est-ce que t'as pris mon métier? C'est le mien aussi. Exactement. Vous êtes tous les deux modos. Et trois même avec Missou. Alors, vous tapez pas, hein? Il y en aura pour tout le monde. Alors, séance de jeu, fête d'anniversaire, je crois que c'est ça. Visiblement, c'est ça. Futurs parents. Comment ça, futurs parents? J'ai eu peur. Alors, le sim célébré, c'est Lulabi. On va inviter donc. Alors, attendez. Je vais retrouver mes fiches. Le sondage est toujours en cours. Pour le moment, c'est Amaury qui est en tête. Vous êtes 5 à avoir voté. Voilà, tu sais tout, Missou. Alors, on avait dit. J'ai fait des fiches, regardez. Vous ne voyez rien. Regardez, j'ai disparu. Voilà. J'ai disparu. Alors, Sébastien. Sébastien, 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 tian, tian. Il est là. Cléo. Ici. Nico. Il était en haut, je crois. Élise. Élise, 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 elle est là. Ensuite, entre Claire et Charlie, vous avez choisi Claire. Ici. Entre Cléopâtre et Sarafina, vous avez choisi Cléopâtre. Qui n'a pas l'air d'être là. Elle est là. Et enfin. Entre Amaury, Orson et Brandon, et non pas Bandan. Il est trop chou, Orson. Oui, je sais, mais je l'aime bien aussi, moi. Après, je les aime bien tous les trois, donc je suis pas très... Bon, bah, ce sera Amaury, à moins que les 5 personnes restantes... Non, 6 personnes se... Non, 5 personnes se réveillent et votent. Mais ça risque d'être un... Est-ce qu'on peut quand même prendre... Ah, on peut quand même amener Orson. Cool. Ah, on peut en mettre 15. Bon, écoutez, on a les principaux. On va quand même prendre... Charlie. Rona, elle est mignonne. Lena. Et puis, je sais pas, moi... Léon, Brandon, Skila, non, Takeshi, ok, c'est bon. Direction s'excuse pour le petit Brandon. Ouais, peu, hein. Alors, où est-ce qu'on va aller? On n'a qu'à aller au parc café Ma Petite Braise. Par contre, ça va être chiant. Ça va être chiant parce que... Parce que, bah, j'aurai pas le gâteau dans l'inventaire. Bon, bah, j'en ferai un. Je me débrouillerai. On va aller dans ton petit parc, Braise. Voilà. Alors, on va juste. Bon, ça va pas être très, très, très classe.
Mais on va juste rajouter vitef une petite cuisine. Une petite cuisine d'appoint là, vitef pour qu'elle puisse faire son gâteau, la dame. Ah, peut-être que si je l'ouvre, il y aura le gâteau déjà. Non, bon tant pis. Oui, c'est le petit parc Café Braise. J'ai aussi eu un bowling, un spa et le troisième truc, c'était quoi? Je sais plus. Je sais plus. Ah, et Missou, j'ai bien mis ton magasin de fleurs. Je l'avais déjà mis. Je l'ai mis dans Evergreen Arbor. J'ai un autre truc. Oh, je sais plus ce que c'est. Bref. Regardez, il y en a déjà plein. Ils sont tous là. Trop mignons. Bah écoute, tu vas être amical. Hein. Pourquoi présentation amicale? T'es censé les connaître déjà. C'est chiant. Genre, elle a plus aucun lien avec... Mais non, mais parce que j'ai pris le mauvais mec. Commence pas à te présenter, c'est chelou. Pourquoi je peux pas cliquer sur le labi? Voilà. Parler à l'inconnu. Super. Ah. Léon, Orson. Je vais pas être méchant avec Orson. Oula, il a eu un bug, lui. Il a eu une position de nourrisson, vous avez vu? Alors... Préparer un poulet rôti. Ok, super. Est-ce qu'il y a un truc de danse? On va mettre une petite enceinte pour que les enfants dansent. Oh, le pauvre Brandon. Bon, au moins, il fait beau. C'est déjà ça. Vous entendez le son du jeu ou pas? Parce que moi je l'entends à peine, ça me va très bien, mais peut-être que vous voulez l'entendre plus. En vrai, il est trop mignon ce parc. Non, en vrai, il est bien. C'est juste que là, j'ai besoin de quelques trucs. Mais franchement, il est bien. Hein. Alors. Allumer. On va allumer le truc pour pré-ado, là. Pop pour pré-ado. Le son fort. Attendez. Ruru? Excusez-moi, je reviens, j'entends un bordel. Heureux. Moi aussi, heureux qui faisait le con. Je me demandais ce qui se passait. Alors, raconter des blagues. Gna gna gna. Ok. Allez, tout le monde va danser. Mmh.
Bon, lui aussi va danser. C'est censé être le traiteur, mais bon. Mais pour le moment, tous les gosses vont jouer. Bon, bah écoutez. Hein. Ils vont jouer. Allez, plomb vite. Elle est énervée, lui. C'est qui? C'est qui? Qui c'est qui est énervé comme ça? Léna, enfin. Mais enfin. Je suis quand même parrain de ton fils. Pardon. On va mettre le gâteau sur la table. Viens ici. Toi. Tu vas faire le poulet rôti parce qu'apparemment il faut faire un poulet rôti. Alors, servir dîner. Poulet rôti. Et toi? Hop. Putain, on peut pas. On peut pas aider à souffler les bougies? Bon. Ok. Mais what the fuck? Bon, bah je vais rajouter une table. Ouais. Ouais, c'est ça, mais ils font chier. Il faut une table comme ça et pas comme ça. Gna gna gna, parce qu'on est trop con pour couper un gâteau sur une table s'il est sur le bord. Ah d'ailleurs, en parlant d'être con, ça n'a pas trop de rapport, mais c'est association d'idées. Je sais pas si vous avez vu la bande-annonce. Je crois que j'en ai parlé la dernière fois, mais je sais plus. Je sais plus si j'en ai parlé avec vous en live ou si j'en ai parlé à mes amis en ailleurs. J'avais cliqué sur le banc, mais c'est pas grave. Du jeu créé par Paradox et l'un des anciens développeurs des Sims. Je sais plus quel Sims, mais des Sims. Life by You. C'est pas la bonne table encore. Bon. Au moins elle est au milieu. Oh. Sus, t'es mort. Sus, t'es grand mort. Et donc je disais que j'étais pas sûre d'être emballée par le projet. Elle était un peu trop basse celle-là. Je peux pas me pencher, vous comprenez? Trop pâle. Bah ouais, du coup, je suis pas spécialement emballée, je sais pas. Voilà. Allez, Lulabi, va souffler tes bougies. En plus, elle a faim. Qu'est-ce qu'elle fait? Life by you, oui c'est ça. Bah je sais pas, je suis pas trop emballée parce que... Je sais pas. Déjà les graphismes sont pas excessivement beaux, je trouve. Enfin, en fait c'est réaliste, mais en même temps c'est un peu moche. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. C'est pas moche non plus, hein. On n'est pas sur, sur un truc de dégueulasse, mais... Je sais pas. Ah oui, toi, t'as hâte de découvrir Missou. C'est avec nous? Oui, c'est ça. Bah, je sais pas. À voir. Alors, on va lui mettre de la polyvalence. Capitaine de la récré, génie créatif, pro des soirées, pyjama. Ouais, on va mettre ça. Et on va la mettre... extravertie. Bon, alors pour le moment, elle est sapée comme jamais, hein. Au secours. On va tout de suite aller modifier ça. C'est pas possible. Moi, j'attends d'en voir plus. Mais déjà, le fait que les Sims, apparemment, peuvent pas mourir d'accident ou je sais pas quoi. Mais elle a cette gueule-là quand elle est enfant, lui, l'habit.
Elle est dégueulasse, cette pauvre gosse. Qu'est-ce qui s'est passé? Oh là là, la choucroute sur la tête, rien ne va. Bon, déjà, tu vas prendre une couleur de cheveux, parce que c'est bon, c'est fini, le blond platine, hein, tu n'as plus... Tu n'as plus 2 ans. Alors. Voilà. Elle a les dents du bonheur, elle, depuis quand? Bon, bah pourquoi pas, hein. Alors. Déjà, on va lui mettre... C'est dans quel pack l'uniforme pour les gosses? Parce qu'il y a un uniforme dans, au lycée pour les ados, mais j'étais sûre qu'il y avait un truc pour les gosses dans... Ah, le voilà. Celui-là. Avec des petits souliers noirs et des chaussettes. Chaussettes, c'est là. On va lui mettre du vernis. Voilà. Parce qu'elle est fashion jusqu'au bout. Pas non plus abuser la couleur du vernis, hein. C'est quand même une enfant. Vous metteriez du vernis à vos enfants? Genre à partir du 8 ans, je parle. T'es fâchon, exactement. Non? Je sais pas. Moi, je pense que ça dépend de la couleur. Je pense que si elle en voulait ou s'il en voulait, je dirais pas non. Seulement pour une fête. Pourquoi? Vous trouvez que ça fait trop? Dix ans alors, peut-être 8 ans, c'est trop jeune, je me rends pas compte. 10 ans, ça me paraît pas abusé, hein. Après, peut-être pas tous les jours non plus, mais... Bah, je sais pas. Autant vous me diriez du rouge à lèvres, du fard à paupières et toutes ces conneries, je suis d'accord. Mais du vernis, enfin, je sais pas, ça me perturbe pas. Bon, après, c'est pas très bon pour le corps, ça c'est un autre débat, mais... Je sais pas. Mais on te demande pas de faire la catin des bois avec tes ongles, Braise. Je te parle pas de mettre ça d'ongles, de prothèse ongulaire avec tout un dégradé de bordel et de faire « Regarde, je suis une pute !» Non. Je te parle de juste mettre une petite couleur vitef. Ou une petite French. Ouais, ça je sais. Mais après, même adulte, hein, le vernis, c'est de la merde. Hein. Ça te fait plein de... Ça peut te donner le cancer, enfin... Vu que les ongles, c'est spongieux, ça absorbe tout, bah t'absorbes toutes les merdes quand tu mets du vernis dessus. Alors, ouais, je suis pas du tout concentrée. Mais peut-être que, ouais, trop tôt, ça fragilise encore plus, je sais pas. Bah après, je pense que le vernis... C'est comment il est appliqué. Genre si tu lui dis juste bah c'est pour le fun parce que c'est joli et puis t'aimes bien et puis c'est rigolo, il n'y a pas de problème. Par contre si tu commences à lui dire oui mais du vernis t'es sexy, là c'est pas le bon mood, tu vois. Mais si t'en fais un jeu plutôt que regarde t'es bonne avec du vernis, enfin je sais pas comment expliquer. Je sais pas comment expliquer. C'est vrai que là où le vernis me dérange, c'est dans les concours de Minimis. Mais déjà, les concours de Minimis de base me dérangent. À faire ressembler des gosses à des adultes. Mais je sais pas. Par exemple, si un jour... Bon, on va dire que j'ai une fille. Ou un garçon, parce que... Je m'en fous. On va dire que j'ai un enfant, voilà.
Je sais que ça n'arrivera jamais, mais c'est pas grave, laissez-moi imaginer une vie, là. Imaginons, j'ai un enfant. Si le dimanche, je vois qu'il s'ennuie, et puis je lui dis, bah viens, si tu veux, je te mets du vernis pour rigoler. Et qui veut, parce qu'il trouve ça beau, parce que c'est beau, il y a plein de couleurs et tout. En plus, moi, j'ai une trousse comme ça, je m'en mets jamais parce que j'ai les doigts qui ressemblent à des orteils, mais ça, c'est une autre histoire. Mais je lui dis, bah tiens, on en met, et puis bah on en met. Et après, la flemme de mettre du dissolvant, tu vois, peut-être que le lendemain, il ira avec son vernis à l'école. Bon, après, s'il se tape des remarques, bah déjà, je pète la gueule de tout le monde. Parce que t'as pas insulté mon fils ou ma fille ou mon enfant parce qu'il a du vernis. Déjà. Et si c'est un adulte, je l'écouterai. Je dirais d'accord, j'en mettrai plus pour l'école. Ouais, il serait embêté, ouais. À l'école, ils acceptent pas le corps enseignant ou les autres enfants. Parce que si c'est le corps enseignant, je vais pas les faire chier, tu vois. S'ils veulent pas de vernis, je mets pas de vernis, hein. Je pense que vous avez assez de problèmes à gérer, tous les parents cons qui pensent que leur enfant c'est Jésus et qu'il est intouchable et qu'il est trop mignon, hein. Donc si vous refusez le vernis, je mets pas de vernis, je fais pas la maman relou. Dans les écoles privées, ouais, je sais pas dans les écoles publiques. Parce que moi je suis à peu près sûre d'avoir déjà vu des gens, mais après ça remonte loin, en primaire je faisais peut-être pas attention, je t'avoue. J'avoue, au collège peut-être, au collège oui c'est sûr. Mais en primaire, je me rappelle plus. Moi, je trouve rien, là. En même temps, je regarde pas vraiment, donc ça aide pas. Ah bon, on va partir sur une robe. Voilà, une petite robe. Petite robe. Ouais, non, petite robe. Celle-là, elle est trop jolie, je la mets souvent. Public, je sais pas non plus en vrai. Mais heureusement que je suis pas maman. Hein. Parce que vu que j'ai vécu du harcèlement, si mon gosse il me dit machin, il me dit que je suis moche, que je suis grosse ou gros, que t'es moche ou peu importe, hein, qu'il attaque mon gosse, mais j'arrive, je démonte le gosse. Et si les parents s'énervent, je démonte les parents. Et je finis en prison. Parce que ça, c'est intolérable. Le harcèlement, c'est non. Dans aucune mesure. À aucun moment, tu critiques le physique des autres, ou ses vêtements, ou sa vie. Si c'est quelqu'un qui t'a fait du mal, tu peux lui dire d'aller se faire foutre, tu vois, et peut-être éventuellement lui souhaiter un peu de malheur, parce qu'on l'a tous fait, malheureusement, même si ça ne se fait pas. Ouais, mais le maquillage, enfin le vernis, pour moi, c'est pas du maquillage. Mais si ça rentre dans la case maquillage, ok. Ok, j'accepte. J'enverrai pas mon enfant avec du vernis, alors, à l'école. Je lui débarbouillerai les doigts avant. Mais... mais s'il en veut à la maison, je lui en mettrai. Parce que c'est trop drôle. Ouais, je sais, mais c'est ça en fait. En fait, le vrai problème, c'est que. Je sais pas, il y a une couille à la base de tout le système. De juger les autres, en fait. Sur leur style de vie, En fait, moi, ce qui me saoule surtout, parce qu'à la limite, tu peux juger les autres sur leur style de vie. Enfin, le penser, en tout cas. Tu peux dire, celui-là, il a une vie, j'aimerais pas l'avoir. Ça, c'est humain, tout le monde se le dit. Se comparer aussi, malheureusement, bah tout le monde le fait. Mais alors le physique, c'est non en fait. À aucun moment tu viens critiquer mon gosse sur son physique, sinon je te défonce. Que t'aies 40 balais ou 5 ans, hein, moi je te défonce. Je vais t'apprendre le respect et ce sera à coup de grosses claques dans la gueule. Oh, ça me fait penser à l'histoire des pauvres gars, là. J'ai vu sur le...
J'avance pas, je suis désolée. J'ai vu sur la chaîne de Jérém Star deux gosses qui se sont fait harceler. Et franchement, rien ne va, quoi. Rien dans l'histoire ne va. Enfin, on avait déjà parlé avec Brézou, je crois, mais... Mais c'est le premier truc qu'on critique, ton physique, et c'est le truc que tu peux pas changer, en fait. À moins de faire de la chirurgie, tu peux éventuellement influer sur ton poids. Et encore, c'est... Sur ta masse musculaire, à la limite, si tu fais beaucoup de sport ou pas beaucoup, ça, tu peux. Tu peux. Mais c'est pas obligatoire. Et franchement, on se fout de ta gueule parce que t'as les dents de travers, parce que t'as un gros nez, parce que, je sais pas moi, t'as des doigts dodus, c'est nul. Ça t'apporte quoi, en fait, de faire ça? Et ça apporte quoi à l'autre de savoir qu'il est pas à ton goût? Ouais, c'est chiant. Pourquoi on n'apprend pas juste aux gens? Donc, des tout petits, hein, mais bon, c'est trop tard parce que le monde est déjà pourri. Des tout petits que, bah, t'as pas à dire ça, en fait. Tu as le droit de le penser parce que personne t'empêchera de penser. Mais t'as pas à le dire, c'est méchant. Enfin, je pense qu'un enfant, il peut comprendre ça. Hein. Si tu lui dis, écoute, toi, est-ce que t'aimerais que je te dise que t'as une gueule de patate? Je pense pas, bah voilà, donc tu le dis pas aux autres. Je comprends pas. Mais le souci, c'est que comme tout est basé sur le jugement et la comparaison dans la société, ça peut être bien de se comparer si ça pousse à faire mieux, tu vois, dans une certaine mesure. Mais se comparer sur des trucs qu'on peut pas contrôler, genre la couleur de tes cheveux à la base, avant les teintures et compagnie, ben déjà, si les gens avaient pas honte de leur couleur de cheveux ou voulaient pas en avoir une autre, il y aurait pas cette histoire de teinture, tu vois. Enfin, si, peut-être pour le fun, encore une fois, mais... Mais pas... Je me souviens, à une époque, le but, fallait que tout le monde soit blond platine, là. C'est dégueulasse, en plus. Ouais. Bref. Ça m'énerve. Mais je vois pas ce qu'on peut faire. C'est ça, le truc. J'aimerais bien aider à changer les mentalités, mais je pense que c'est foutu. Enfin, faudrait tout reprendre à zéro, faudrait tout effacer et tout recommencer. C'est un peu tard, hein, je pense. Bon, maintenant, je vais lui mettre un pantalon, parce que j'ai envie qu'elle ait un pantalon. Pas mettre que des jupes, quand même. Surtout si elle préfère les pantalons. Il y a rien chez les gosses. Hein. En fait, je joue tellement rarement avec des gosses que... Enfin, je joue pas si rarement que ça, mais je sais pas, j'ai l'impression que il y a rien. Allez, un beau t-shirt. Oui. Un beau, j'ai dit. Oh, celui-là, il est mignon. Mais il fait un peu j'ai froid. Putain, il fait chaud, par contre. Mais ouais, je comprends, Brézou. Moi, on m'a pas ciblé particulièrement de zone. On m'a juste dit, t'es moche. Gratuit, comme ça. Genre, tu sais, la personne, je la connais pas. Je passe à côté. Hé, t'es moche! Ah, pas d'accord. Bah, merci. Bon, j'ai compris, hein. Et alors, qu'est-ce que tu veux que j'y fasse? Tu veux que j'aille m'enlever la peau de la tête? Peut-être que je serais plus jolie. N'importe quoi. T'es moche. Bah, cool. Comme si je le savais pas déjà. Je veux dire, je me vois dans le miroir. Je suis la première informée, hein. Ah oui, les girafes, oui, bah oui, quand t'es grande. Bah moi, on m'appelait, quand j'étais en 6ème, je faisais 1m10, vraiment. Et en plus, j'avais un gros cartable qui était limite plus grand que moi, avec Titeuf dessus. Et on m'appelait Nadia, du coup, mais c'était mignon, ça. Ça me faisait rire. Mais elle était moche, ok. Bon, bah ça va pas changer ma vie de le savoir, hein. T'es moche, ok, bon. Qu'est-ce que tu veux répondre en plus? Ils attendent à ce que tu dises quoi? Mais oui, c'est vrai, tu as raison. Je vais tout de suite retourner dans l'utérus de ma mère qu'elle me finisse. Pff. Je pense que je sortirai ça la prochaine fois qu'on me dit que je suis moche. Ah, j'aurais dû répondre ça au mec de YouTube, là. Le commentaire, t'es moche. Bah,
suis au courant, hein. C'est pas grave. Il y a des gens qui me trouvent belle. Le fameux, c'est ton avis. En vrai, il y a tellement de trucs à répondre à ces gens-là que je sais même plus quoi répondre, quoi. Des trucs ironiques, des trucs débiles. Enfin, il y a tellement de choses à leur dire que je sais plus par quoi commencer. Bon. On va y arriver. On est toujours qu'à la deuxième tenue. Hein. On va lui mettre... non, je veux le petit diadème. Le petit diadème. Voilà, parce que Lulabi est une petite princesse. La petite princesse a ses parents. Oh putain, les gens ils sont méchants. Pauvre Oscar, t'inquiète, t'arrives pas à bouger tes yeux. C'est pas grave, hein. On t'aime quand même. Alors toi t'es con et on en fait pas toute une histoire. Oui, c'est vrai. C'est vrai que c'est une bonne réponse. C'est un peu nul, ça, pour faire du sport. Rose. Voilà. Important, le rose. Mais c'est pas grave. T'as pas besoin de les bouger sur le côté. Tu tournes la tête. Voilà. C'est pas grave. Les chaussons lapins, très important. Très important. Et ça, c'est quand il fait froid, le petit pyjama dalmatien, enfin chat plutôt. Alors, cette tenue de fête, ça va pas être possible. Hein. Mais alors, pas du tout. On va mettre ça. Ouais, mais les couleurs sont pas belles. Ah, en rouge, ça va, c'est pas mal. Bref. Bref, excusez-moi, c'était la parenthèse sur le harcèlement et compagnie. Je comprends pas. Il y a vraiment un problème, mais... Enfin, je vois le problème, mais je sais pas comment on pourrait y pallier. Parce qu'en plus, j'ai l'impression que c'est de pire en pire. Hein. Moi, je me suis toujours pas remise de la réaction des gamins quand ils ont vu un autre gamin se faire tabasser. Tu sais, quand tu vois quelqu'un se faire agresser, que tu réagisses pas, ça me choque pas. Parce que soit t'as peur, soit t'es choqué, soit tu sais pas quoi faire et c'est normal. Tu peux pas reprocher aux gens de pas réagir. Donc c'est triste, mais ça se comprend. Mais alors ceux qui rigolent et qui filment... Mais au secours! Haha, il va se faire tuer. C'est pas drôle. Soit t'agis, soit tu te barres, mais tu rigoles pas en filmant. Mon Dieu. Je comprends pas. Mais je comprends pas à quel moment les gens trouvent ça fun de voir d'autres gens souffrir. Enfin, moi, ça me fait peur. Je vois quelqu'un qui se fait casser la gueule à côté de moi, j'ai juste peur. Je pense que je réagirai pas parce que je serais trop choquée, mais j'ai juste peur, je rigole pas. Ça me fait pas rire. À quel moment on est arrivé à ça? À quel moment?
on en est arrivé à c'est drôle de voir quelqu'un se faire taper. Non mais vraiment, je sais pas ce qui s'est passé, j'ai pas l'impression que... Peut-être que c'est con ce que je dis, et peut-être que c'est pas vrai, mais j'ai pas l'impression qu'à mon époque, comme si j'étais très vieille, tu sais, c'était le cas. Enfin, à la limite, les gens réagissaient pas, mais personne rigolait. Alors, si, dans le cas où le gars qui tape le type a un groupe de potes, si le groupe de potes rigole parce qu'ils sont endoctrinés dans le truc, ça se comprend. Mais genre random qui sort son téléphone et rigole. Expliquez-moi s'il vous plaît. Expliquez-moi parce que je comprends vraiment pas. Tu regardes un film, tu regardes une série, tu regardes un dessin animé, ce que tu veux, tu joues à un jeu, tu peux rire de la souffrance des personnages, tu peux rire de faire du mal dans ton jeu, c'est un jeu, c'est un film, ce n'est pas réel. Mais dans la réalité, c'est pas drôle. Je sais pas, Braise, parce que ils sont peut-être... Ils sont pas punis, les ados, mais déjà, il n'y a pas grand ado qui s'intéresse vraiment au système incarcéral et compagnie. Enfin, tu vois ce que je veux dire? Donc, il y a autre chose. Il y a un sérieux manque d'empathie, d'éducation, peut-être. Ou les parents sont dépassés, j'en sais rien. J'ai pas d'enfant, je peux pas juger. Je suis mal placée, mais je comprends pas. Je comprends pas dans quel monde on est pour que tu rigoles quand quelqu'un se fait taper. Si t'es pas dans le groupe et que t'as rien à voir avec l'affaire, c'est pas censé te faire rire quelqu'un qui se fait taper. Oui, je sais que les harceleurs actuels, ils ont rien, genre ils continuent d'aller dans le même collège, de faire leur meilleure vie et tout. Et c'est dégueulasse, mais sans même parler de sanctions. Avant même de parler de sanctions, je veux dire... Et là, je parle pas des harceleurs. Je parle de ceux autour. Qui réagissent pas, je comprends. Qui filment et qui rigolent, je ne comprends pas. À moins que celui qui est filmé ait rigolé en disant « Haha, il va le tuer », c'était un pote du type du harceleur. Enfin, tu vois. Peut-être que là, du coup, c'est un peu plus, on va pas dire normal, mais logique. Mais si c'est Jean Random qui a vraiment fait ça, ça... Au secours. C'est la faute à la non-sanction. Bah déjà, si les gens étaient éduqués pour pas harceler, il y aurait pas à avoir de sanction, en fait. Et puis c'est délicat. Alors... Je fais un peu l'avocat du diable, mais les écoles... Alors, je dis pas que les écoles de Lucas et l'autre petit, là, je sais plus son nom. Je dis pas qu'elles, elles sont toutes blanches, parce que les traités de menteurs et compagnie, c'est de la merde. Par contre, je sais que pour avoir des potes profs, quand ils mettent une sanction, maintenant... T'as les parents qui leur tombent sur le dos pour leur dire que c'est inadmissible. Et mon fils d'abord, il est gentil, il a rien fait, il ferait jamais ça. Vous vous rendez compte? C'est parce que vous le comprenez pas. Vous avez pas à lui donner une sanction. Gna gna gna, gna gna gna. Ferme ta gueule en fait. Il a fait de la merde ton gosse. Il paye maintenant. Ouais, ben on a plus le droit de mettre de sanctions. Alors je dis pas qu'il faut revenir à l'époque où on se faisait taper la gueule à coups de règle. Ça c'est de la merde. Mais déjà, rien qu'une heure de colle, tu vois, ça calme en général. Mais non. Ah mais l'effet de masse, je suis désolée, mais ça passe pas. Enfin, moi, masse ou pas, je vois quelqu'un se faire massacrer, j'ai juste peur. Je rigole pas, à aucun moment je rigole. J'ai peur pour moi, j'ai peur pour lui, j'ai peur pour les gens autour.
C'est pas drôle. À aucun moment, je rigole parce qu'un mec se fait tabasser. C'est chaud. C'est pas possible de rire, de... Oh, je comprends pas. Je rabâche parce que je ne comprends pas. Tu vois, quand je vois des films où justement ça parle de ça et qu'il y a vraiment tout un gang qui s'est mis en tête de faire souffrir des gens et ils sont mis en ligne et que haha, c'est trop drôle, regardez, on se moque d'eux. Mais moi, quand je vois ça, pour moi, c'est une fiction. Ça n'arrivera jamais. Mais en fait, c'est vrai. Je suis peut-être trop naïve, je sais pas. Je sais pas, mais ça me rend ouf. Bon, en attendant, on va devenir pote avec tout le monde. Nous, on ne sera pas une harceleuse avec Lulabi, hein. On va juste être gentil. On va papoter. Ah, c'est chaud. Franchement, c'est chaud. Je comprends pas. Je comprends pas qu'on en arrive là. À partir de quand il y a eu un tel manquement? Pour que quelqu'un qui se fasse tabasser, que quelqu'un qui voit quelqu'un se faire tabasser trouve ça drôle. À quel moment? Je sais pas. Allez, on danse. Le nombre d'adultes qui font rien, oui, bah c'est ça. En gros, bah. Les gens du collège font rien, les parents font rien, personne fait rien. Mais c'est déjà à mon époque, on faisait rien. Hein. Enfin, moi, j'avais dit à la prof que les meufs étaient méchantes avec moi. Et la première fois, tout ce qu'elle a fait, c'est me faire confronter à la meuf. J'ai dit, bah, je sais pas, est-ce qu'il y a quelque chose que j'ai fait qui fait que t'es méchante avec moi? Est-ce qu'on peut résoudre ça, machin? Non, mais il y a rien avec son air de peste là. Et quand ça a continué, que j'ai été revoir la prof, elle a dit intègre-toi mieux. Super, merci madame. J'y penserai. Donc il y a ça, mais si déjà à l'époque, si déjà à l'époque, quand les adultes essayaient de faire quelque chose contre les gosses et que les parents étaient aussi cons. Enfin, excusez-moi, hein. Mais bah, qu'est-ce que tu veux faire de plus? Si quand on met une sanction, les parents direct, ils disent oui, bah, puisque c'est ça, je vais vous foutre en justice, gna 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 gna. Qu'est-ce que tu veux faire en fait? Qu'est-ce qu'on est censé faire? Si dès que tu veux faire quelque chose, bah les parents font chier. Elles ont été virées le lendemain. Ouais, mais peut-être que les parents de ces filles-là ont pas fait chier, Braise. Peut-être que c'est les parents, ils ont dit, bah oui, c'est normal, mettez une sanction sur nos enfants qu'on fait de la merde. Tu vois, il y a ça aussi. Parce que si les parents derrière te sortent, non, mais il n'y a pas de preuve, mon fils, il a rien fait, il est sage, il est droit dans ses bottes. Je suis désolée, mais maintenant, tu peux plus rien dire sur les gosses des gens, hein. Tu peux plus dire qu'il est mal élevé parce que sinon c'est toi le connard. Non mais tu comprends pas, il est HPI. Non tu comprends pas, il est hypersensible. Non tu comprends pas, il est aspergère. Non ça va au bout d'un moment. Le mec il a plus de problèmes de psychologiques que moi. Ça va au bout d'un. Arrêtez vos conneries quoi. Ben en vrai c'est cool que ton lycée les vachement pris au sérieux. Hein. Parce que franchement, bah ça manque. Préparer un gâteau, mais je l'ai déjà fait. Pourquoi elle est effrayée? Elle a peur de l'eau. Mais qu'est-ce que c'est que ces conneries? Oh là là, n'importe quoi. Ah. Qu'est-ce que c'est que cette Lulabi troutrouille là? Hmm.
Ou est-ce que c'est exprimer son amour, machin? Complimenter. Affection. Compliment, bah c'est juste là. Ouais, bon, c'est pas terrible. Bon, en tout cas, elle parle bien avec tout le monde, c'est cool. Elle est trop mignonne, regardez-la. Et donc, t'as peur de l'eau? Qu'est-ce que c'est que ces conneries? Bon, tout le monde se barre. Alors, elle se... Elle joue habillée. Ok, elle se met même pas en... Super. Super! Félicité. Moi, je vais pas la féliciter. Je vais la complimenter. Peut-être là-dedans. Bah non. Mais j'ai pas suivi l'histoire de l'INSEE, là. L'INSEE, je sais pas son nom, à cette petite. J'ai juste entendu qu'elle s'était suicidée, mais c'est tout. Après, bon... Le suicide... Ce commentaire... Je vais pas partir là-dedans, parce que je pense qu'il y en a plus d'un qui va rage quit, mais... Tu te suicides pas à 13 ans, je suis désolée. C'est... Ni plus tard, d'ailleurs. Bref. Ça fait des mois qu'elle a donné l'alerte, que ses parents se battent. Mais il s'est passé quoi? Il faisait quoi les gens au lycée? Il la tape ou au collège, je sais pas. Il la tapait, il se moquait, il faisait quoi? C'était une école privée? C'était une école publique? Les filles l'ont harcelé. Oui, mais harceler, c'est large, Braise. Harceler, ça peut dire t'es moche dans un couloir, ça peut te fracasser, ça peut te faire des crasses, etc. C'est très très large. Alors quoi exactement? Insulter sur internet, tabasser, ok. Donc c'est la complète jambon fromage, ok. Ok. Ils l'ont dit... Ouais, j'entends. Donc ils l'ont dit au Dirlo et aux membres et tout, ça a duré des mois, vous dites? Bah, je suis désolée, mais si... Alors... Je vais peut-être être un peu crue. Mais si au bout d'un moment, ça dure des mois, déjà... Le Dirlo ferait... Déjà, à partir du moment où le Dirlo te sort un « garde ça pour toi », bah, je pense qu'il n'y a rien à faire, en fait, enfin... C'est pas juste et tout, mais dans ce cas-là, tu changes ton enfant d'école. Si j'étais mère et que je vois un gros con comme ça, je change mon enfant d'école. Avant, je fais la petite pute. C'est-à-dire que j'enregistre tout ce qu'il dit. Les conversations, machin. Ensuite, je retire ma fille de l'école. Je supprime ces putains de réseaux sociaux où elle ne devrait pas être déjà, parce que voilà. Et je lui en refais d'autres propres où elle sera tranquille. Si vraiment il en faut... Et après, je la change d'école. Et ensuite, je lynche l'école en public. Je sais que ça devrait pas être comme ça. Mais dans un cas pareil, avoir ma fille au fond du trou tous les jours parce que des petites putes sont incapables de faire quoi que ce soit, enfin, sont mal élevées, bah, je change ma fille d'école. Bon, après, ce serait mon dernier recours. Genre, avant, je parle au Dirlo, aux profs, etc. Si le système de l'éducation ne fait rien, je vais voir les parents. Je leur dis, il y a un petit souci, là. C'est normal que votre fille, elle traite ma fille de pute. C'est normal. Et bon. Elle se faisait retrouver. Bah, tu supprimes ses réseaux, hein. Je suis désolée, mais... Tu lui fais un Discord... Où elle le donne que à ses amis et puis elle parle sur Discord avec ses amis et c'est tout. Si c'est ses vrais amis, ils vont pas donner aux putes. Hein. Enfin, je n'ai pas vécu ce qu'a vécu cette famille. Mais je dis comment j'agirais moi. Après, voilà. Mais moi déjà, je laisse pas ma fille dans un
dans une école où on me dit bah je m'en fous. À partir du moment où les profs te disent ça, tu peux pas compter sur eux. Par contre, moi, je vais voir les parents, je les défonce. Ça, y a pas de problème. J'y vais à la méthode Henri. Le fusil. J'emmène mon frère et tous mes oncles, hein. Les tziganes arrivent et on les défonce. Voilà. Non, c'est un peu abusé. Mais je vais essayer de parler avec les parents. Si les parents sont cons comme des briques, je montre les preuves. Et s'ils sont toujours cons, je leur dis, écoutez-moi bien, c'est simple. Si votre fille arrête pas de faire chier la mienne, c'est moi qui vais régler ça. Mais ça va très mal se passer. Ok? J'ai déjà été harcelée, elle va pas subir ça, ma gamine. C'est mort. Donc soit vous faites quelque chose, soit ça va très 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 mal se passer. Joe! Non mais c'est ça, et je comprends pas que ça ait... Je comprends pas que la mère ait laissé traîner ça aussi longtemps. Et puis bon... Après, je suis pas objective, les gars. Je suis pas objective et... J'arrive avec mes règles en fer. Exactement, mamie. Un bon coup dans la gueule de la gamine, elle arrive. C'est ce que je dis à ma gamine. Tiens, ma chérie, prends cette règle. Et bam! Dans sa gueule à l'autre pute. Si tu lui pètes les dents, c'est encore mieux. Bon, pas trop, hein. Juste un coup. Elle va comprendre. Au bout d'un moment, si personne ne fait rien, t'es obligé de régler toi-même. Et si l'autre échelle, bah oui, eh ben... Vous étiez où quand je vous ai appelé? Ça fait 2 mois que je vous demande qu'il se passe un truc, que vous arrêtiez. Bah voilà, bah il s'est passé un truc. Vous avez de la chance, c'est pas le suicide de ma fille. Ça aurait été pire. Chais. Alors on fait quoi? Parce que moi j'ai toutes les preuves que vous avez rien fait. Vous voulez qu'on aille au procès? Il n'y a pas de problème. Pas de problème. C'est pas vous qui allez gagner. Après, je suis pas en train de vous inciter à taper, hein. Mais je sais pas. Et je comprends pas. Enfin, je comprends pas cet enfant qui s'est suicidé. Le suicide, c'est quelque chose qui me trigger, les gars. Je ne le comprends pas. Je comprends si t'as une maladie. Si t'as une maladie qui fait que tous tes neurones sont de travers et que t'as une dépression profonde. Je comprends ça. Parce que c'est pas ta volonté, c'est au-dessus de tout ça. Donc je comprends. Je comprends l'acte. Quand t'es au fond du trou et tout ça, je comprends. Je comprends que tu veuilles t'ôter la vie si tu souffres physiquement et que t'as une maladie de fou et tout ça. Je comprends. Mais se suicider parce que trois putes te lancent des crasses sur un réseau social. Alors que dans 5 ans, 3 ans, ça n'existera même plus. Je comprends pas. Je suis désolée. Je suis désolée pour tous les gens chez qui le suicide est un sujet sensible. Mais moi, je comprends pas. J'arrive pas à avoir de l'empathie pour ça. Après, il y a eu plein de couacs, hein, dans cette histoire, ça c'est clair. Il y a plein de couacs. L'administration du collège, n'importe quoi. Les parents des gamines, n'importe quoi. Les parents de la petite qui s'est suicidée, bah. Ils ont fait ce qu'ils ont pu, mais c'était pas assez, je suis désolée. Change la lycée, hein. C'est nul. Mais franchement, si personne fait rien, change la de lycée. Là, c'est... Bah, te faire tabasser à l'école. Mais déjà, t'as des preuves, là. Tabasser à l'école, tu vas à la police, tu portes plainte, hein. C'est pas long, hein. Surtout si y a des vidéos et compagnie, t'inquiète, c'est pas long, hein. En général, tu reçois une plainte, tu te calmes très vite, hein. J'ai reçu une fois une plainte, moi. Parce que j'ai dit que mon ancien centre équestre avait tué mon cheval. Hop, ils ont déposé une plainte. La police m'a convoquée. Bah, je faisais pas trop la maline. J'avais toujours les nerfs contre le centre équestre, mais j'ai retiré mon post Facebook. Parce que soi-disant diffamation.
Ils ont rien fait, les policiers, ils n'ont pas convoqué la gamine. Oh, vous allez pas me dire quand même que personne n'a rien fait nulle part. C'est trop gros, je peux pas avaler ça, les gars. J'étais pas là, mais je peux pas avaler ça. Il y a forcément une personne qui a fait quelque chose. Si c'est encore tout voir tout le monde mal, quoi qu'il se passe, quoi qu'il fasse, et c'est forcément de la merde, non, j'y crois pas. Personne n'a rien fait, genre. Porter une plainte, tu poses une plainte, tu poses ta plainte, hein, c'est tout. C'est pas les policiers font rien, ils sont obligés de dire à la personne à qui tu as porté plainte qu'il y a une plainte contre toi. Mais ils ont porté plainte ou pas? Tu portes plainte. Tu portes plainte pour coups et blessures, tu portes plainte pour harcèlement et compagnie. Ils sont obligés d'appeler la meuf pour dire, bah voilà, il y a une plainte contre vous, qu'est-ce que vous faites? Vous arrêtez d'être une pute ou ça va au tribunal? Ils sont obligés, hein. Tu peux pas me dire qu'il y a eu manquement dans la justice, dans l'école, chez les parents, ça fait un peu trop, là. Bah après, faut l'emmener au tribunal, hein, c'est tout. C'est comme s'il y avait rien. Je sais pas. C'est trop gros pour moi. J'arrive pas à avaler ça. Enfin, il y a dû avoir un couac quelque part. Je peux pas admettre. Après, je suis encore peut-être trop naïve. Qu'il y a rien eu de plus. Le thème de sa mère, c'est quoi le thème? Ah, le tel. Ouais, bah. Ah, mais déjà, il y a un problème dans la famille de la harceleuse, si j'ai bien compris. Si la mère, elle passe sa vie à picoler, bah, t'appelles les services sociaux, elle va dégager la gamine. Enfin, je sais pas. Je sais pas, je peux pas admettre que personne n'ait rien fait. Et au bout d'un moment, tu changes ta fille d'école, t'arrêtes d'être con aussi, hein. Si personne fait rien, bah tu dégages, hein, tu la laisses pas là-dedans. Et puis bon, bah les réseaux, malheureusement, c'est comme ça, hein. Tu les quittes, hein. Tu restes juste avec ton petit groupe fermé et puis... Alors, elle aime le papotage, bah ouais, carrément. Vas-y, raconte ta life. Ah mais non, mais pas toi. Mais pas toi, hein, c'est cringe. Pas toi, frérot, tu es cringe. À parler, là. Avec le poti. Je crois que c'est Orson, d'ailleurs. Je sais pas. Peut-être que je parle sans savoir, je sais bien, hein, mais... Ça me paraît aberrant, enfin. C'est pas possible. Mais regardez, ils sont buggés, tout le monde est buggé. Les enfants, les bambins, ils sont tous buggés avec les nourrissons, c'est bien, hein. Oui, mais faites-la enfermer, cette gosse. Faites-la enfermer, elle a un problème psy, hein. Haha, elle s'est suicidée, trop drôle, c'est ce que j'attendais trop. Mais après, ça m'étonne pas trop, tu vois, quand je regarde des vidéos de Aline Dessine, je sais pas si vous la suivez, elle fait des fois des vidéos sur des gens comme ça qui sont harcelés, et il y a une communauté vraiment nocive sur Internet qui prennent en cible des gens et ils sont en mode « Oh, c'est quand qu'il suicide? J'ai hâte qu'il suicide. Haha, lol, MDR, regardez, aujourd'hui, il a craqué. » C'est pareil, c'est... La gueule de l'humain, quoi. Bah, je pense qu'il y a quand même eu des trucs faits. Après, le truc, c'est que si la gamine réagit pas, déjà une convocation de police, moi je fais pas la fière, hein. Bon, bref, je sais qu'elle est pas moi. Si elle réagit pas à ça, bah elle réagira à rien, hein.
Elle fera de la tôle, elle sera contente. Oh, merci pour le follow. Les maisons Simmer, bienvenue. Bon, c'est pas un sujet très joyeux. J'ai pas eu d'annonce. Pourquoi j'ai pas eu d'annonce? Parce que j'avais désactivé le truc. Non. Bon, je sais pas. Mais merci en tout cas, bienvenue à toi. Ah oui, ben elle a clairement un souci cette dame. Hein. Bah comme tous les tarés qui sont sur, qui sont en train de souhaiter la mort de machin et de bidule et qui parient sur quand est-ce qu'il va se suicider quoi. C'est bref. Et bon, après je vais peut-être dire un truc de merde, mais déjà faut changer d'école si rien n'est fait. Et ensuite, bah, t'arrêtes les réseaux sociaux, en fait. Tu pars un moment et tu te planques. Enfin, c'est possible hein, de te planquer. Tu prends un VPN, tu prends un Discord. Personne viendra te faire chier sur ton Discord. Hein. T'acceptes pas tous les amis et personne viendra. Hein. Je sais pas. Bon, alors, bref. Lulabi est en train de parler à Brandon. Elle est fatiguée. Ah, mais il y avait du poulet. Il est mangé, le poulet? Ils l'ont jeté? Qu'est-ce qu'ils en ont fait? Bah, visiblement, il est mort, le poulet. Bon, un morceau. Il a pas l'air très content, Brandon! Ouais, non, je sais pas. Franchement, je sais pas. C'est triste. C'est triste, mais je vois pas ce qu'on peut faire, hein. Si la police lui a parlé et tout, et que la meuf elle en a rien à foutre, que la mère elle est complètement déconnectée à alcoolo, ben pardon, mais qu'est-ce que vous voulez qu'ils fassent de plus? Ils peuvent pas l'arrêter la gamine, ils peuvent pas arrêter la mère non plus, ils peuvent rien faire. Je sais pas ce qu'ils peuvent faire. À part appeler les services sociaux, mais c'est des trucs qui vont prendre des mois encore. Parce que bon, l'administration française c'est pas la plus rapide hein. Il est 22h. Mémé Doc. Clairement, elle devrait être en hôpital psy, cette fille. Hein. Et là, maintenant... Bon, alors, maintenant que cette pauvre enfant s'est foutue en l'air et que la famille est dévastée et compagnie, ils vont faire quelque chose contre cette gamine ou tout le monde s'en fout encore? Parce qu'ils en parlent, ils en parlent. C'est sympa, mais... Après, je vais encore faire ma chieuse, mais vous avez lu et vu tout ça dans les médias. On connaît les médias, hein, excusez-moi, mais dans le genre accentuer la chose pour faire plus de drama et de vues, ils sont pas mal. Hein. Enfin, pas tous, mais la plupart. Les trucs putaclic, genre rien n'a été fait, alors que peut-être que des trucs ont été faits, tu vois, même si c'était pas assez. Peut-être qu'ils en ont fait quand même un peu. 5 personnes en examen. Bah, y a pas besoin de mettre en examen. La meuf, si elle poste partout sur ses réseaux sociaux, trop cool, je l'ai tué. Qu'est-ce qu'ils veulent le plus? Un autographe? Pauvre meuf, tarée. Connasse. Bah, tu vois, tu lui refais le portrait. Elle va peut-être comprendre que c'est pas... Regardez, c'est Moana et Maui. J'avais jamais vu. Trop bien. Bon, bah la fête d'anniversaire jusqu'à 3h du mat à 12 ans, là. On en parle ou pas? On va peut-être rentrer, hein. Allez, on rentre. C'est grave. Bah, mettre en examen, je crois qu'ils les mettent... Enfin, ils les convoquent, ils prennent leur déposition, ils leur demandent ce qui s'est passé et ce genre de truc. Interroger, ouais. Je crois que c'est ça, hein. C'est pas... Et je pense que quand ils ont mis en examen... Quand t'es mis en examen, c'est qu'ils ont quand même un peu de preuves et qu'ils vont tomber dessus. Enfin, pas toujours, mais... Je sais pas. Ah, c'était cool ma fête jusqu'à 3h. Qu'est-ce qu'ils font?
sont chiants. Allez hop, au lit. Et voilà la belle chambre de Lulabi. Oh, il s'est mis en pyjama. On va parler avec le rongeur. Ah, on va lui donner un nom. Vous voulez qu'on l'appelle comment? C'est un petit rat, je crois. Je connais pas la suite après ça. Ben, c'est comme Norman, hein, qui est accusé de viol et compagnie et tout ce que tu veux. Ils sont mis en examen et après on n'entend plus jamais parler. Bref. Martinet. Braise, tu as un sacré problème. Mais bon, comme tu es la première à réagir, ok. Donc le petit Martinet, regardez comme il est mignon. Ah mais il est dégueulasse. Il a une bouche énorme. Get ça. Ouvre la bouche. Mais non mais c'est sérieux là. Mais c'est... Mais frérot, tu es cringe. Mais c'est pas possible, on dirait... On dirait une bouche de grenouille. C'est pas possible. Qui a conceptualisé cette daube? Oh, et les pattes! J'ai peur pour les chevaux. Hein. J'ai très peur. Ils vont encore avoir les articulations comme ça et les pattes qui se retournent et tout, là. Bref. Alors, journée jargon de pirate. Tiens, elle va le faire, elle. Voilà. En plus, elle adore la tradition. Bah, elle va le faire. Elle va parler comme une pirate. Ohé, matelot. Il fait grand fin. Où est donc mon rhum? Et maintenant, Lulabi a sa salle de bain privative. Parce que c'est une grande fille. Et elle, au moins, elle harcèlera pas les gens au collège, hein. Sinon, bah, je te tue. En même temps, t'es une Sims, donc c'est pas compliqué. Hop. Voilà. Ah, et d'ailleurs, en bas, ça va devenir sa petite salle de jeu personnelle, s'il vous plaît. Ça, on va le mettre là-haut. Ah oui, il faut que je lui mette... Une veilleuse là, parce que sinon elle va nous faire chier avec le monstre du lit. Ouah ouah, le monstre du lit. Nya nya nya. Hop. Ça c'est bon, les jouets, la maison de poupée. Et on va lui mettre... vous allez voir. Un petit canapé pour ses copines. Et ses copains quand ils viennent à la maison pour jouer. Elle va être bien. La petite princesse. 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 Sarah mignonne, petite fille, fille. Qu'est-ce qu'elle pourrait faire comme art? Vous avez une idée? Je crois que les enfants, ils peuvent faire du violon. Alors, violon, peinture. Ah, je vais lui faire faire des petits bracelets aussi. Ah, il y a ça. Table d'activité.
Hop, on va lui mettre et un petit canapé. Un petit canapé. Voilà. Ah non, plutôt lui. Pourquoi je peux pas? Pourquoi? Voilà. Y a pas un ours déjà là-haut? Bah si, bah on va pas en avoir deux. Voilà. Mignonne petite fille. Ah oui. Mignonne petite fille, fille. Fraîcheur que baigne la rosée, rosée. Toujours caressée par le vent frais léger. Une fleur qui reste droite et bien levée. Alors, à ne pas sortir de son contexte. S'il vous plaît, nous parlons d'une enfant. Monsieur, tu vas aller te raser parce que c'est pas possible. Oh putain, mais attends, regardez cette gueule, ça va pas du tout là. Allez, go. Toujours caressé. Est-ce qu'on peut faire un groupe déjà? Oui. Créer un groupe. Les amis. Parce qu'on est amis. Alors, on avait dit. Ma fiche. Sébastien. Sébastien, Cléo, Nico et Élise. Donc, Élise. Sébastien. Sébastien. Nico. Et Cléo. Cléo. Cléo! Cléo! D'ailleurs, Kiki est pas là, tiens. Allez, là. Hop. Il me reste une place. Alors. Claire, Cléopâtre ou Amaury? Sondage! Tiens, est-ce que je peux faire le pool? Ah non, je peux pas. Pourquoi je peux pas? Genre, moi, je peux pas créer de sondage. Mais c'est pas grave. Oscar, peux-tu faire un sondage? Prochain membre? Claire, Cléopâtre ou Amaury, s'il te plaît. Ou Braise, faites un sondage, hein, démerdez-vous. Je peux pas accéder. Mais c'est bizarre, il n'y a que Oscar qui a l'air de pouvoir les faire. C'est chelou, hein? Je comprends pas non plus, je t'avoue. Attends. Peut-être que... Pourtant, vous êtes tous dans modérateur, donc je ne comprends pas trop. Je sais pas. Ah tiens, on peut mettre des règles de chat maintenant. Bah attends, je vais aller copier celle de Twitch. Tant qu'à faire, hein. Voilà. C'est-tu pas beau tout ça? C'est-tu pas beau, Simone? Voilà. Ah, tais-toi, Lopina. Merci. Sondage! Répondez, les enfants, au sondage! Donc, on a Cléopâtre, Amaury, Claire. Cléopâtre et Claire. Elle est trop mignonne, Claire. Et Amaury qui est quelque part. Je l'ai vu tout à l'heure. Et allez-vous, il est là. Ils sont juste là tous les trois, en fait. Votez, éliminez le maillon faible. Votez pour votre préféré, mesdames et messieurs. Zibardi, zibardi. Zibardi, zibardi. J'ai chaud. Il fait chaud, sa mère.
Ah, oh, trop mignon! Goldo est en train de me faire mes smileys. Il a fait le smiley où je tiens un cœur. Ah, oh, voilà. Trop beau. Je vais vous le montrer. Vous n'allez pas voir si je fais ça. Regardez. Il est trop beau. Trop Il est trop beau. Il est trop beau. Sans X, parce que je ne sais pas écrire. Je sais plus non plus. Attendez. Je vais essayer de l'enregistrer et de le mettre. Attendez. Ça fait 3 fois que je dis tendez, je pense que vous avez compris. Tendez! Aïe, aïe, aïe. Je sais pas si je peux le mettre pendant que je suis là. Nya, 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 nya. Nya, nya, peut-être celle-là. Ah oui, mais il me l'a pas fait en carré. Oups. Oups. Il est trop beau. J'ai hâte. Pendant qu'on fait le sondage, il y a qu'une seule personne qui a voté. Vous êtes 6. Votez, s'il vous plaît. De toute façon, il y aura les 2 autres après, mais c'est juste qu'ils seront plus tard, quoi. Moi qui a voté. Merci, Brézou. Moi qui a voté. T'es vraiment une attention whore, chou. Il me fait trop rire. Tiens, j'ai une question très importante. Question très importante. Est-ce que, pour les concernés en tout cas, est-ce que vous suez des seins? Voilà. Très important comme question. Faut répondre, Braise. Parce que là, moi, c'est raz-de-marée, hein. C'est insupportable. Genre, si je me mets les mains sous les seins, ça dégouline. Ignoble. Bon, allez, Cléopatra, hop. Alors, ce qu'on veut faire, on veut être gentil, amical, avec nous. On veut danser, parce qu'avec ça, tu montes les points très très vite. Activité pour un enfant, faire les devoirs. Attendez, je regarde si. Ah, ça y est. C'est quoi le nom du smiley qui sourit? Je sais plus. Qu'est-ce que j'ai mis? Lupina Smile. C'est une piscine, hein, on est d'accord. C'est insupportable. Alors attendez, je vais arriver à mettre mon smiley. On va le mettre, les gars, on va le faire. On va l'avoir. Peut-être.
Alors, hop, hop, hop. Il veut pas, il est trop lourd. Goldou! Je suis pas une chien noire. Je participe. Oui, c'est vrai. Merci de participer. Alors, est-ce que vous pensez pas qu'on achèterait des créatures du vide parce que c'est le genre de truc que je fais jamais? On pourrait. Danser, je voulais. Art et musique. Danser. Quoique. On va pas faire les devoirs. C'est un groupe pour s'amuser. Ah oui, vous m'avez dit ou pas l'activité. Activité artistique que Lulabi va faire. Ils peuvent chanter, les gosses, ou c'est trop tôt? Le violon? Ok. Ouais, mais après, on chantait. Hop. Et une dernière. Social, faire des blagues, je pense. Parce que ça, c'est bien. Faire des blagues, c'est bien. Voilà. Non, non, on va pas mettre team. C'est démodé. On va mettre sans crew. Sais pas écrire. Et on va mettre l'arc-en-ciel. Non, on va pas mettre l'arc-en-ciel. On va mettre qu'est-ce qu'on va mettre? Ça. Alors, faut pas être méchant. Parce que être méchant, c'est pas gentil. On ne vole pas trop. Quoique, on pourrait plus tard, quand ils seront ados, faire un. Goldou! On fait un groupe d'ados rebelles plus tard. Oh, ça y est, j'ai une idée. Oh, j'ai une idée! J'ai une idée! J'ai une idée! Là, tu vois, elle a son petit groupe d'enfants gentils et tout. Et quand elle sera plus grande, elle aura aussi un groupe de délinquants. Où elle ferait des conneries. Ça vous dit? Comme ça, on mettra d'autres enfants dedans, enfin d'autres ados. Oh, quelle bonne idée. Il faut que je le note quelque part, je suis oubliée. Oh, je suis trop un génie. Un génie, je vous dis! Bon, c'est bon, là. Des ados rebelles. Alors. Oui, la dernière que tu m'as envoyée, mon petit Goldou, elle est trop grosse. J'ai essayé 3 fois déjà. Attends, je vais peut-être t'actualiser. Peut-être qu'on ne sait jamais. Je vais réessayer. Parce que des fois, Kik fout un peu l'actualiser. Ah bah c'est bon, il fallait l'actualiser. Ok. Ok, t'en mets pas. Oh, il est trop beau. Je voulais l'avoir en instantané. Oh là 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 là, quel magnifique smiley, les gars. Oh, je veux que vous le spammiez comme des sales porcs. Regardez ça. Ah non, il n'est pas affiché. Actualisez votre... Actualisez. Non, il n'est pas affiché. Ah non, mais Actualisez. tais-toi, Lupina. Quelle beauté. Pourquoi il me l'envoie pas? Pourquoi il l'envoie pas? Ah, voilà. Oh là 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 là, qu'il est beau! Qu'il est beau! Je vais aussi le mettre sur Discord. Oui, bah je fais ça en live, ça vous pose un problème. Merci Goldou, il est beaucoup trop beau ce petit. Hop.
faire. Ouah! Regardez, je tiens ce petit cœur. Oh, trop bien! Encore! Mettez-en encore! Usez-le! Bon, il rend bien, hein? Usez-le! Encore! Ça spam! Je veux du spam! Plus de spam! Je veux être couverte de moi qui tire le cœur! Ouah, c'est trop bien. Merci Goldou. Allez, plus que 197 à faire. En vrai, il est trop beau. En plus, on dirait que je suis étouffée dans ce cœur. On dirait un peu des seins aussi, du coup, ça me plaît beaucoup. Bref, mais écoutez, on est samedi, on va pouvoir inviter le crew. Le crew. On va pouvoir l'inviter à jouer. D'ailleurs, on va peut-être enlever le toboggan parce qu'il est ils sont trop grands maintenant. Et on va mettre un petit truc de musique. Mais c'est con parce que les trucs de musique, bah, dès qu'il y a de l'eau, bah, c'est fini, quoi. Allez, allumer la musique pour pré-ado. Félicitations pour ton récent anniversaire. Merci Nico. Oh Nico! Ah oui! On dirait des seins. Mais c'est vrai! En même temps, les seins, franchement, quand tu fais ça avec tes nichons et que tu les regroupes comme ça fait un cœur. Bon, pas là parce que je le fais mal, mais vous voyez. Oh puis merde. C'est beau les seins, ok? Aimez vos seins. Aimez les seins des autres. Mais les touchez pas si vous n'êtes pas. Voilà. Hein, vous avez compris. Alors, on parle avec Martinet. Hein. On se demande qui l'a nommé comme ça. Et on peut le nourrir ou il est déjà nourri, visiblement. Par contre, on a faim. Donc, on va les manger. Les adultes, ils vont vivre leur vie, juste. Je vais pas m'en occuper. Ils vont faire leur life. Voilà. Et moi, je vais juste m'occuper de Lulabi. À partir de maintenant. On va peut-être sauvegarder, ça peut être pas mal. C'est pas un hamster, c'est un rat. C'est pas la même chose. Donc, on va prendre les restes. Quand elle aura fini de jouer avec son petit rat. Et ensuite, on ira prendre une douche. On peut pas chanter sous la douche? Non, pas encore. Ah, attends. Ah, c'est vrai, c'est la journée. La journée du jargon de pirate, là. Nanana, you're the pirate. Il est prêt à inviter le crew. Attends, on va le rename. Le crew en majuscule. Peut parler un peu à mes parents en mode pirate là. Oh oh oh. La 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 la. You're all the pirate. Oh, débarrasse cette petite chérie. Oh, qu'elle est bien. Qu'elle est bien, cette enfant. Et je sais plus si je l'ai dit, mais merci beaucoup, Voldou. Il est trop trop beau. L'autre aussi était trop beau, mais celui-là encore plus beau. Donc le prochain, il sera encore plus beau. Voilà. C'est l'ordre des choses. On est au printemps.
Mais Goldo, il est doué en dessin. Ouais, bon, c'est bon. On va inviter les potes. Oh, je peux inviter mes amis? Oui, bien sûr. Ok, de toute façon, c'est déjà fait. Allez, venez danser ensemble. Qu'est-ce qu'elle fait? Non, mais laisse ta mère, on s'en fout. On s'en fout! Festival de la neige a commencé. Ah bah super! On commence et il pleut, quoi. Allez, venez danser sous la pluie! Ça marche plus! Bon? Bah ça commence bien. Bah alors attendez, vu que j'ai pas encore de console, je vais changer ça et je vais mettre jouer avec des jouets tout simplement. Enfant, jouer avec des jouets, des équipements, machin. Regarder la télé aussi. Allez, hop, voilà. Bon bah venez jouer avec les jouets, hein. Ah bah elle joue toute seule là, c'est nul. Allez, je sors les jouets. Vas-y, joue ensemble. Joue ensemble. Tiens-toi, passe la spie. C'est sale. Elle a pas du tout joué, là. Bon, bah super. Allez, jouer. Voilà. Oh, je suis pas mignon. Alors, les gosses, je les ai un peu habillés comme ça. Donc, j'espère que ça vous ira. Pour le moment, elle est avec Cléo et Élise. Élise, j'ai mis des petites lunettes. Je trouve trop mignonne. Ah, voilà les enfants. Les enfants. Je crois que c'est Sébastien, là. Et Cléopâtre. Ça marche pas très bien, donc on va être potes. Hein, on va être amical. On va faire des blagues, parce que c'est bien, les blagues. On va devenir une vraie petite... un petit bout en train. Et il manque Amaury, non? Ah non, il était pas... il n'est pas encore là, je suis con. Ah, il y a Nico. Nico, viens. Viens, on va parler de pirates. Des pirates. Trop bien. Bon, du coup, la salle de jeu est un petit peu petite. Mais bon. Le crew. Le crew arrive. Qui c'est qui me notifie encore? Ah, c'est Gold. Oui. Il est beaucoup trop beau. Ils sont mignons. Alors, on va faire une petite... un petit tour du propriétaire. Donc là, on a Élise. À côté de Lulabi. Merde. Je fais des bêtises. Ici, Nico. Il est pas mal, hein. Il est mignon. J'espère qu'il va pas devenir un monstre en grandissant. Cléo, qui est magnifique. Là, Sébastien, avec un petit air espiègle. Sébastien! Pardon. Et Cléopâtre. En vrai, ils sont tous très très mignons. Hein. Et plus tard, il y aura donc Amaury et Claire. Ce sera notre groupe de potes cool.
Non, ce sera nos... Je sais, on va avoir trois groupes parce qu'on peut en avoir trois. Donc on aura nos potes d'enfance, eux. On aura le pote des rebelles, qui va peut-être pas rester, on verra comment ça se passe. Et on aura le pote, le groupe de potes, de potes de lycée et tout ça. Ça vous dit? Moi ça me tente bien. C'est pas possible. Les vidéos de Vladimir, on n'en peut plus, Oscar. Hein. Vladimir! Son rire. C'est génial. Allez, c'est fini le jargon de pirate. Et là, tout le monde discute et tout, c'est cool, hein. Parler du fromage fondu. Vas-y, je t'en prie. Alors, on en est où dans le groupe? Ouais, ça monte vraiment doucement. Hein. Ah, c'est bon. On peut allumer donc la musique de préado. Préado, préado. Je crois que je l'ai passé. Non, c'est bon. La pop pour préado en élevé. Et vous allez tous danser. Parce qu'une petite astuce. Alors Vlad, attends, d'abord je vous dis l'astuce et après je te raconte pour Vlad. Une petite astuce, quand vous faites des groupes, si vous voulez que les points montent très très vite, vous mettez l'activité danse et vous les faites danser. Et ça monte ultra vite. Voilà, maintenant, qui est Vlad? C'est un russe. Non, sérieux, on n'aurait pas deviné avec ce nom. C'est un russe qui a remarqué que si tu te transformais en... Enfin, si t'es... Tu te mettais genre en e-girl, tu sais, genre avec des oreilles de chat et machin. Et ben, tu pouvais facilement faire plein de vues et tout. Genre, c'est vraiment un russe baraque, tu vois. Il a des biceps comme ça. Enfin, il... Petit boy in shape russe. Et en fait, il s'habille comme une fille. Il met une perruque, il met du rouge à lèvres. Mais il se maquille trop bien, le con. Hein. Il met des mitaines et tout. Et puis, il se met dans une position qui fait que, bah déjà, tu vois, c'est... boobs, sachant que ce sont juste ses pecs qu'il a à moitié scotché pour faire une forme de sein, et il se met dans une position pour pas qu'on voit trop ses épaules et tout, et il va sur Omegle. Mais oh, ce qu'il a mis une vidéo dans le bordel. Et il va sur Omegle et il rencontre des gens comme ça et il parle avec eux, mais avec une voix de fille, enfin une voix de fille, un de mes guillemets, hein. Une voix qui fait penser à une fille. Et puis quand on lui demande son Instagram et tout, il fait Vladimir avec sa vraie voix. Ça me fait juste trop rire. Je vais le mettre aussi dans le partage de Loupitopia pour ceux qui veulent. Voilà. Donc c'est très drôle. C'est très drôle la réaction des gens. C'est pas fait méchamment pour se moquer ou quoi, c'est juste fun. Après, il y a peut-être d'autres buts, parce que je crois qu'il a vraiment un OnlyFans, hein. Mais bon, l'autre est passé la spie dans la serre, ça va pas mieux. Hein. Regardez-moi ces enfants qui dansent, si c'est pas beau tout ça. Et même le père qui danse. On va essayer de monter un peu l'amitié en leur parlant. Hop. D'ailleurs, ça va les looks, ça vous plaît? J'ai un peu mis comme ça, comme je pensais, parce que c'est pas simple de relooker 15 gamins. Sachant que là, c'est leur tenue quand il fait chaud, je crois, ou pas, je sais plus. Ou de fête, peut-être, je sais pas. Voilà, normalement elle parle à tout le monde. C'est trop mignon! Ah bah j'ai pas encore vu cette vidéo là, mais oui, à chaque fois ils font des têtes genre quoi? Bah, c'est normal, hein, j'aurais la même gueule, je pense. Il faut combien pour un autre membre? Et bah voilà! Donc on peut déjà prendre un autre membre, ce sera le premier que je vois, Claire ou Amaury, Claire.
Normalement, Claire va arriver, sauf s'il est trop tard. Au lieu 21h, c'est bon. Allez, on va tout jouer chez Lulabi. Ouais. Bon, arrête de passer l'aspi, tu vas mourir là. Ah, c'est bon, elle va arriver. Allez, viens danser, Claire. Viens danser. Sous les sunlight. Oh non, il repleut. Ah, nul. Bon, bah alors, attendez. J'ai une idée. Hop, allez. On va mettre la musique. Oula, faut que t'ailles aux toilettes par contre, ma pauvre. Vite, vite les toilettes, vite. Oui, bah non, bah va là-haut, parce que sinon là, tu vas croiser ta mère, ça va être gênant. Mais non, mais c'est bon, c'est soirée pyjama chez Lulabi. Oh, je sais pas où ils vont dormir, mais ça c'est un détail. Regarde, ils sont tous trop contents, ils dansent. Bon, par contre, madame, est-ce que tu peux aller faire à manger pour tout le monde? Du chili. Allez, va nous faire du chili. Putain, elle a bugué. Super. Super, hein? Qu'est-ce qu'elle a? A besoin de se divertir. Bah, elle avait qu'à danser. Meilleure créature du vide. J'ai une dispute à l'école. Ok, super. À propos de la créature du vide la plus puissante. J'ai dit que c'était Articorne. Mais il n'arrêtait pas de dire que c'était Suintor. Qui a raison? Je m'en fous. Voilà, les deux. Me faites pas chier. La fête avec le crew. J'espère que vous dansez derrière votre écran. Ah, et du coup, on va regarder un petit peu Claire parce qu'elle, on ne l'a pas vue. La petite Claire, elle avait les cheveux blancs de base, donc je lui ai laissé ses cheveux blancs. Elle est mignonne. Bon, là, elle a les yeux fermés, mais. Oh, les beaux yeux bleus. Ils sont tous très, très mignons, hein. Ils ont tout ça d'avoir un peu des morphos différentes, mine de rien. Genre Cléo est un peu potelée, et Cléopâtre est toute fine, etc. Ça me plaît. Vous savez que j'aime la diversité? Mais qu'est-ce que tu vas faire? Je t'ai dit de danser, tu vas danser, puis c'est tout. Elle est pas du tout en train de faire son plat, on est d'accord? Si, c'est bon. Ah. Allez. Tout le monde va manger. Malheureusement, il y en aura un qui aura peut-être pas de portion. Bon, mais il reste ça. Ah, ça va, ils ont tous l'air d'en avoir une. Ah bah ils sont pas 8 encore.
Ah merde, c'est plus bon. Oh, qu'est-ce qu'elle a? Thalassophobie. C'est relou ça. On peut pas l'enlever ce trait de merde là. Alors, c'est quoi ça? Apprends à faire du vélo. Oh, ok. Se faire un ou une meilleure amie. Ok. Et... ok. Pour le moment, on n'a rien. Ok. Ben, on va lui apprendre à faire du vélo. Hein, y a pas de problème. Qui c'est qui pourrait être son meilleur ami dans le crew? Sachant qu'il y aura Amaury aussi. Vous avez une préférence dans cela? Plus Amaury? Je vous laisse réfléchir pendant qu'il mange. Bon, en tout cas, elle a l'air d'avoir fini de pas aimer le... un peu au pif. Au pire, je lance un dé. Je vais lancer un dé. Alors, 1 des 8. Le 1 comptera pas puisque c'est lui la bille. Je sors la bourse des dés. Alors, il faut que je retrouve mon D8. C'est celui-là. C'est celui-là. Ah, c'est un D8. Il a 8 faces. C'est le 1. C'est lui la bille, la meilleure amie de lui la bille. 7, bah ce sera clair. Ouais, c'est ça. Et 8, ce sera Maurice, c'est ça. Mais c'est clair. C'était sur le 7. Claire, tu es l'élu. Félicitations. Bah après, elle kiffera tous, hein. Mais ça va vraiment être l'élu de l'élu, quoi. Mais regardez, elle est en train de faire le ménage, cette petite. Trop mignonne. Ouais, ils ont tous l'air cool. Hein. Franchement, je suis contente, ça va être ses amis d'enfance. C'est trop bien. Et là, tu es toujours en train de danser. Nico, t'as été mangé? Après, il y aura peut-être plus si affinité, mais... pour le moment, ce sont des enfants, nous ne pensons pas à ça. Du coup, selon le mood, mercredi, ce sera soit Disney, soit Heavy Rain. Par contre, Heavy Rain, si je le commence, bah, on le finira, quoi. Enfin, on le finira pas en une journée, je pense, en une soirée, mais en plusieurs mercredis, à mon avis. Ah, t'es là. C'est parfait, on va pouvoir discuter toutes les deux. Je me demande si c'est pas une vampire, je sais plus. Pensée profonde. Il n'y a pas trop hein, pour le moment. Bon, il est 3h du match. On va peut-être les faire partir. Peut-être. Bah, ce serait bien, Braise, mais il n'y a pas de mode pour ça. Quoi, déjà 10 en... bah, c'est super. Super. Non, demain, le dimanche, c'est avec les parents. Donc, elle va apprendre à faire du vélo. Et elle va faire ses devoirs, surtout. Allez. Ça suffit. Rentrez chez vous. On va prendre une douche. Nourrir Martin. On ne peut pas le nourrir? Non, pas encore. Bah, on va lui dire un... on va lui demander comment s'est passée la journée, puis on va dormir. Voilà. Non, mais peut-être que... voilà, on verra bien. Et hop là, au lit. Au lit, Chocapic.
Quoi, tu te réveilles déjà, toi? Ah, mais tu pues. Bon, on va enlever l'autonomie parce qu'en fait, c'est chiant. Non, il est as. Non. On verra les adultes que vous m'enverrez, mais pour le moment, je pense qu'on est bien avec toutes les familles qu'on a là. On a de quoi faire, il n'y en a pas trop, parce que le souci, c'est que quand il y en a trop, bah je peux pas voir tout le monde. Donc là, on est bien. Je pense qu'il y aura moyen de voir un peu tout le monde, d'aller un peu à droite, à gauche. Ah, c'est bien, il n'y a pas le lapin social pour les enfants. Très bien, merci les Sims. Matt Bonnet. Approfondir mon amitié avec Derek Al Mikkelsen. Bah oui, vas-y. Fais ce que tu veux. C'est ta vie. Alors. Non, désolé. On n'a pas envie d'aller au marché aux puces. Aujourd'hui, on est en famille. Et on va acheter un vélo à Lulabi. Vélo. Bah ouais, je pense, parce que là, je peux pas. C'est pas plus mal, hein. Oula. Alors. Comment on sait si c'est un vélo pour enfants? Comment je sais, moi? Ah, pour les enfants, c'est écrit en bas. Pour les enfants. On va lui mettre celui-là. Hop, on va mettre une autre petite couleur parce que ça, c'est pas terrible. Ouais, bon, les couleurs sont pas ouf, hein. C'est quoi les autres couleurs? Pour les enfants, pour les enfants, pour les enfants. Ok. Bah moi j'aimais bien lui avec le petit panier, mais les couleurs elles sont trop moches. Ah c'est toujours les mêmes. Super. Bah super, hein. Mais c'est nul. Bon bah on va prendre lui, c'est le moins moche. Des os pour le petit panier. Oh puis c'est pas grave. Allez, les vélos pour enfants, c'est moche. Voilà. Non, bah on va laisser le bleu et vert, il est parfait. Parfait, te dis-je. Hop. Bon, lui, il va faire sa life. Je propose qu'il fasse crac-crac. Allez, hop, pendant qu'elle dort, dépêchez-vous. Voilà. C'est noté en bas. Quoi donc? Ah oui, le vélo pour enfants. Oui, j'ai vu. Non, mais ils sont vraiment buggés avec les bambins. Enfin, les nourrissons. Mais elle se lève pas, cette grognasse. Elle est buggée, voilà. Hop. Allez, Lulabi. Debout. Les toilettes et la douche. Et jouer avec ton petit martinet. Joue avec martinet. Joue avec ton martinet. C'est pas terrible, hein. On aurait dû y penser. Voilà, et maintenant, on va aller apprendre le vélo.
On va l'appeler Pompon. Pompon le vélo. C'est son vélo. Et demander de l'aide à Benoît. Parce que je vous rappelle qu'elle est très très proche de son papa. Elle aime sa maman aussi, hein, mais c'est surtout papa. Papa! Madame, t'es censée faire la vaisselle. Madame, t'es censée faire la vaisselle. Oh, c'est mignon. Regardez-la. Oh, putain, elle est plus douée que moi. Bon, je suis pas sûre que le vélo dans l'herbe, ça soit ouf. Hein. Vous pensez qu'on va la voir tomber? En plus, ils y vont direct, hein. Il n'y a même pas les petits trous. Qu'est-ce que... Ok, c'est bien fait ça encore. Vous avez vu ou pas? Elle est passée à travers la rambarde, elle est grimpée sur le perron et n'importe quoi. Bon, Lulabi, arrête de rouler dans les plantes, c'est ridicule. Ah là là. Que seraient les Sims sans bug, moi je vous le dis. Elle gère, hein. Ah. Allez Lulu, vas-y. Aujourd'hui tu lui apprends. Mais enfin. Allez! Voilà, on a changé de casque, tiens. Bon bah c'est bien mignon tout ça, mais ça met combien de temps à prendre? Mes fleurs! Oh, il la tient pas, il regarde juste. Il l'encourage, genre vas-y, c'est bien ce que tu fais, mais non, hein. On dirait moi qu'essaye de nager à la piscine et Ruru qui me dit oui, c'est bien, alors que je fais rien, tu sais. C'est juste ça l'animation, c'est nul. Il faut qu'elle ait les facultés à 10. Ah, c'est mieux là. Enfin, c'est ridicule. Alors, sachez que... Ça, c'est... Déjà, je crois que l'animation est buggée. Et en vrai, ça marche pas, hein. L'animation est buggée, hein, je suis pas folle. Bon, après ça, il ira faire ses devoirs. Bref. Vous, madame, voyons voir ce qui reste là-dedans. Elle a toujours pas fait la... Bon, attendez, je vais refaire la cuisine, parce que visiblement, ils ont du mal, hein. Apparemment, c'est compliqué. De faire la cuisine. De faire le ménage, surtout. Hop. Et alors, il reste quoi dans ce frigo, là? Soufflé au chocolat. Tu
venir en manger un. Et toi aussi. Pendant que maman va faire le repas pour le soir. On va faire les devoirs, ce serait pas mal. Elle a bien tourné en rond, ouais, c'est ça, la mioche. C'est ça. Allez, Lulu, mange plus vite. À faire où ses devoirs? Un tuer, c'est très bien. Allez. Bah attends, maman va l'aider. Papa, elle fait le ménage. Va entretenir le jardin. Ah bah super, t'as même pas aidé en fait. Nul. Oula, faut nettoyer tout ça. Bon, bah c'est bien, elle a fait ses devoirs et tout. Maintenant, j'ai envie de faire un truc, c'est que elle cuisine avec sa mère. Voilà. Elle va faire un gâteau. Ou une connerie du style. La brioche ou je sais pas quoi. Ah, ça a bugué. Non, c'est bon. Alors, il ne met plus les trucs. Tiens, on va faire ça. Fruits et yaourt, ouais, bon, c'est pas vraiment un plat. Cake aux fruits, non. Une brioche. Il n'y a pas d'autres brioches. Brioche sans lactose, ouais, super. Genre des gâteaux ou des pâtisseries. Mini hamburger. Oh bah ouais. Au poulet. Allez. Vas-y. Alors, comment ça va se passer? Oui. Elle aide vachement, hein. Elle fait rien? C'est nul? C'est nul? Elle a cuisiné toute seule. Mais ça a servi à rien, frère. Eh ben, super. Je pense qu'il faut peut-être un îlot pour que ça marche. Elle donne les ordres à super. Genre, c'est la gamine qui donne les ordres, c'est... Allez, maman, fais ça. Ouais. Super, bah c'était bien, c'était intéressant. C'était vraiment très intéressant. Bon bah écoute, ils vont au moins aller manger ensemble. Hein. Oh, je suis deg. Et demain, premier jour d'école. Pourquoi tu t'assieds pas à côté, genre il y a de la place, hein? Elle est bonne. Aime les blagues. Bah ouais, allez. Allez, et maintenant tu débarrasses, ma petite. On va t'apprendre un peu les bonnes manières, ça fera pas de mal. Avant que tu deviennes une petite conne rebelle, évidemment, si ça arrête de bugger. Non, 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 fais pas le ménage.
Laisse ta fille faire. Bon, allez niquer là, arrêtez de me faire chier, voilà. Lulabi, fais le ménage, s'il te plaît. Peut-être la maison qui est buggée, hein, je sais pas. Vous pensez qu'il devrait déménager? Ouais, faut une cuisine plus grande. Genre avec un îlot central ou ce genre de truc, je suppose. Vous pensez que je devrais les faire déménager dans peut-être une maison plus grande? Parce que là, je vous avoue. J'avais pas envie de me faire chier, j'ai pris une maison du jeu, je les ai posées dedans, j'ai un petit peu réaménagé le truc, mais j'ai pas trop d'idées moi pour faire des maisons, j'ai pas envie d'un truc immense non plus. Parce qu'en vrai, pour 3, elle est largement suffisante, mais je sais pas. Peut-être un plus grand jardin et je sais pas trop. Peut-être qu'on verra quand Lulabi sera ado. Ça me laisse le temps d'en faire une. Allez, maintenant, au lit. Ah, j'ai oublié de mettre la putain de lampe de merde là. Qui est moche en plus. Pour bien tout. Alors. Fait. Non, mais c'est bon. Comment ça dormir? Tu vas pas dormir sur ta fille? Voilà. Temps de nettoyer tout ça. Allez, nettoie l'habitat. Eh ben oui, c'est ça d'avoir un rat, hein. S'en occuper, hein. Et on retourne dormir. J'ai peut-être une idée. Est-ce que je vous spoil ou pas? Je vais peut-être l'écrire parce que je pense que je vais oublier. Je sais pourquoi ils vont déménager. J'ai une petite idée. Non, je pense pas. Ok. J'écris, excusez-moi. Bah si tu veux, mamie, je peux te le dire en privé. À partir du moment où une seule personne ne veut pas être spoil, je ne spoil pas. Par contre, si vous voulez vous être spoil, je peux vous le dire en privé, à condition que vous ne spoilez pas les autres. Sinon, c'est nul.
On se fait confiance. Je sais que tu spoiles personne, mamie. Bah, je te le dirai après le live, alors. Ça marche. Ah oui, mais non, mais mets ta belle tenue, par contre. Voilà. Mais elle a pas la bonne tenue. Voilà, elle met son uniforme pour aller à l'école. Colle est mignonne. Et elle va bien travailler parce que c'est une gentille petite fille. Mais pourquoi t'es triste? Envie de voir ses amis à fourrure, ok. Bah t'as qu'à jouer avec le rat, voilà. Elle s'est fait attaquer. La pauvre. Il l'a attaqué. Bon. Bah écoute. Hein. Il travaille pas, Bob Dylan, là? Bah si. À 11h, tranquille. Ah, alors. Pendant son temps libre, Lulabi a fait un dessin inapproprié et l'a montré à ses camarades. Cela a fait beaucoup rire à l'école et a perturbé le reste de la journée. Nous encourageons la créativité. Prenez le dessin et punissez-la. C'est la faute de l'instituteur. Alors, bah déjà, non. C'est son temps libre. Donc, je vois pas en quoi l'instituteur est mêlé à ça. Ça? Ça, c'est ce que disent les parents aujourd'hui. On vous encule, les parents. Voilà. Mais après, inapproprié, c'est-à-dire... je finis bientôt, Brézou, t'inquiète. Inapproprié, c'est-à-dire, elle a dessiné Ken et Barbie qui s'enculent, mais c'est pas terrible à l'école, mais en même temps... je sais pas. On prend quoi entre le 1 et le 2? Nous encourageons la créativité alors qu'elle a possiblement dessiné une tub ou prenez le dessin et punissez-la. Moi, je vais pas dire c'est la faute de l'instituteur, donc c'est soit la créativité, soit le dessin. Ok, Braz a dit le 2, j'attends un peu d'autres gens. Mamie, Oscar, Didi, je sais pas si vous êtes toujours là. Le 2, ok, allez. Voilà. Ça suffit les bêtises, tu fais ça à la maison, Lulabille, enfin. On ignore les brutes. Et comme ça, elle passe pour une petite fille studieuse, qu'elle est, bien évidemment. Bon, maman, tu vas aller te laver parce que tu vas pas passer la journée en pyjama, hein. Et toi, tu vas aller au travail. Inanadou. Il y a peut-être des factures, quelque chose, non? Les factures, elles sont à combien? Oh, ça va. 2000, ouais. Bon, ça va, on est plutôt riche. Il y a de la latence. Oui, c'est vrai.
C'est vrai qu'il y a un petit peu de latence. Alors, un couvre-feu, bah, ce sera à 19h, hein, parce qu'elle est jeune quand même. Elle est jeune. Donc bon. On va pas aller vadrouiller. À la limite, on invite ses copains, mais elle va pas vadrouiller, quoi. Hop. J'ai envie d'éternuer. Vous faites quoi demain? Pardon. Dites-moi tout. Alors, intrus non identifié. Pendant l'entretien quotidien des plantes. Oh, je m'en fous. Si c'est Benoît, je pensais que c'était. Que c'était pour lui l'habit, mais on s'en fout. Peut-être dessiner ou peindre, je sais pas. Ou juste rien. Oh bah ah, peut-être les Sims aussi. Bah écoute, c'est un bon bail de rien faire le dimanche, hein. Allez, tu vas te remettre au tricot. On va passer à Spi alors. Et après, il faudra aller le passer en haut aussi. Elle est contente, elle passe la Spi. Il n'y a plus de poisson. Sont morts? Je vois plus. Ah si. Pourquoi on les voit plus? Ça bug? Ah, ce serait étonnant. Certainement faire la sieste de 20 minutes, oui, normal. Pourquoi tu vas appeler Miss? Ah si, ça y est, on les voit, les poissons. Ok, ils avaient disparu, mais c'est bon, ils sont revenus. Oh, le certificat de mariage. On va le mettre là. L'habit est rentré. Allez. Elle va se mettre à table et faire ses devoirs. Et maman va l'aider, bien sûr. Non, pas faire du vélo, pas tout de suite, après. Ok. Ça se tient. C'est bon? D'ailleurs, on n'a pas vu ses notes, c'était quoi? Ah, elle a un projet scolaire. Elle a terminé son truc. Ouais, bon, c'est bien, ils sont contents. Bah écoutez, on va aller lui faire faire son projet scolaire. Elle va travailler soigneusement. Et tout le monde va venir l'aider. C'est beau.
Et ensuite, on va apprendre le vélo. Voilà. Non, elle n'a pas l'air de vouloir apprendre. Mais c'est pas grave, on va aller aux toilettes parce que là, ça presse le coco. Sur ce, bah, je pense qu'on va pouvoir s'arrêter là. On a bien avancé. Je suis contente d'avoir fait l'anniversaire. Enfin, je sais pas si on a bien avancé, mais en tout cas, on s'est bien amusé. On a quand même pas mal fait de trucs. On a le crew. Donc Claire sera la meilleure amie. Il faut que je note aussi. Voilà. Et c'est bon. Je vais sauvegarder. On va se mettre là. Voilà, comme ça, tout le monde peut voir ce que vous écrivez. Des petits cœurs, s'il vous plaît. Faites-moi l'arc-en-ciel, les gars. Voilà. Des beaux petits cœurs. En plus, vous avez les cœurs de toutes les couleurs. Yes. C'est pas dans l'ordre. C'est pas dans l'ordre de l'arc-en-ciel. Bon, écoutez les gars, j'espère que ça vous a plu. Moi, ça m'a plu. J'ai eu plein d'idées qu'on pop là, donc ça c'est cool. On n'a pas fini de faire des trucs. Ça c'est bien. Et puis bah, n'hésitez pas à m'envoyer des constructions. Il y a toutes les infos sur le Discord. Et si vous regardez la rediff, sachez que le lien du Discord est en description. Et puis bah voilà. Bah sur ce, je vous souhaite une bonne soirée, un bon dodo, une bonne nuit, un bon dimanche, une bonne semaine. On se retrouve mercredi si tout va bien pour Disney ou Heavy Rain. Et puis vendredi prochain, c'est le sang bébé. Pour l'épisode 5, il me semble. Sur ce, des cœurs et des paillettes, ça fait longtemps. Des bisous sur vos cucus. Et puis, salut !